Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de Next Gamer. Next Gamer, l'association LGBT+ de gamers français, francophones. Je suis Ven et aujourd'hui on va vous streamer un tournoi Smash, le deuxième du Smash Grand Tour. La Cup, j'allais dire Termina, mais c'est la Cup Termina qu'elle s'appelle là-dedans? Pas de bêtises. La Majora, c'est ça, je me dis, je te sers un des deux. La Cup Majora, du coup, en référence à Zelda Majora's Mask, bien nommé. Je serai accompagné de Noir. Coucou Noir, comment vas-tu? Hello, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, je te En remercie. pleine Et forme? j'ai avec. Bien sûr, en pleine forme et prêt à en découdre. Et on va présenter vite fait nos participants. Merci déjà à vous d'être là. Bonjour à tous. Et on va essayer de commencer par là. Bien sûr, bonjour aux viewers. Merci d'être là également. Et avec nous, nous aurons Ben Sweb. Coucou Ben Sweb. Salut. Ça va? Bonjour. Ça va, merci. Et toi, tu es prêt? C'est un grand mot, mais on va voir. Je vous dirai ça à la Bon fin. sang, tu vas faire des éclats. Oui. Deuxième participant, nous avons Bibuel. Coucou Bibuel. Salut. Ça va toujours? Ça va bien? Ouais, ça va, tu es prêt, tu sens chaud? Parce que Oui. la belle plante est de retour. Exactement, la beauté est de retour, comme d'habitude. Peut-être être accompagné d'un charmant jeune homme, on va voir. Ah, suspense, un peu Du de teasing, teasing, j'ai ça va, hâte. Kekro. Moi aussi. On a une nouvelle personne qui n'était pas là la dernière fois, on accueille Chris Peach. Coucou Chris Peach. Bonjour. Speed qui a Comment déjà été à des vas-tu? tournois par le passé. Ça fait un bout de temps, oui. Je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, on t'entend. On t'entend très bien. Ok. Est-ce que tu vas nous sortir une pitch du coup par hasard? Parce que c'était une chance. Bah j'hésite entre deux persos, donc on verra peut-être. Peach ou Daisy, je comprends. C'est. Deux choix de perso, de combat. Très bien. Et bah écoute, on se retrouve tout à l'heure sur le terrain. On a hâte de voir ce que tu vas nous sortir. Ensuite, alors on ne le présente plus. Il a brillé lors du dernier tournoi. C'était magnifique. Coucou à toi, Damnes. Hello tout le monde! Damnes, comment vas-tu? Bah écoute, j'ai la crève, donc ça me servira de prétexte pour continuer à perdre. Je suis ravi. Ah, parfait. Voilà, maintenant on sait L'astuce. pourquoi un Kirby enrhumé est un Kirby qui ne peut pas gagner. C'est bien connu. Mais bon, qui sait, on sait jamais. On va peut-être avoir des. Des Je sais pas, des surprises, oui, retournements. absolument. Je serai Oui, des le surprises. premier surpris, là. On a hâte de voir ça. Ensuite, j'accueille également une nouvelle personne. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout sur la scène Smash. Sur la Où scène Smash. on a Jajamik. Coucou, Jajamik, la scène. Coucou, coucou, bonjour à Comment ça tous. va? Eh ben écoute, très bien. Je découvre Smash en ce moment et en votre compagnie. Je ne compte absolument pas percer dans le milieu, mais bien m'amuser quand même. Mais on espère que tu t'amuseras. On va essayer de faire en sorte que tu passes un bon moment. Bah, merci de nous avoir rejoints, en tout cas. C'est un plaisir. Merci Je à suis en toi. même temps en IRL à Lyon avec pas mal de NG, donc j'ai une team de supporters qui est quand même présente, quoi. C'est parfait. Cet homme est partout à la fois. Cet homme est partout. Merci à tous. On croise les doigts. Ouais, grave. Ensuite, j'accueille Link Chaser. Coucou Link Chaser. Ah, coucou, je devais parler. Merci Link Chaser. Oui, tu devais dire un petit bonjour à la caméra. Je m'y attendais pas. Bonjour tout le monde. Ouais, ça... Comment ça va? Ça va, je suis pressé de faire ce tournoi Mario Party. Parfait. Ah, on a tout ça toi aussi là, et surtout gagner le plus d'étoiles possible. Bon courage à vous. Ensuite, nous avons Mister Saturn. Coucou Mister Saturn. Hello, hello. Comment tu vas? Bah ça va. On va Est-ce que essayer le de s'en NES est prêt à sortir faire des avec. éclats? Exactement, ouais. On va essayer de se démarquer en tant que Oh NES dans ce tournoi de NES. oui! On se tournoi de NES. C'est vrai qu'on n'aura pas Mika Bass, donc on n'aura pas de tournoi Zelda cette fois. Mais on aura au moins deux NES. Et enfin, on ne présente plus, il est là à toutes les finales, nous avons RGT. Coucou RGT! Bonjour, bonjour. Je salue également Chris Peach, que j'ai pas vu depuis longtemps, mais à qui nous avons fait des tournois il y a longtemps. Et également un petit coucou aux Lyonnais qui sont de la même région et que j'espère voir bientôt, Androme peut-être.
Avec grand plaisir. C'est pas de chance, ils sont là, mais tu n'es pas avec eux. Et avec un peu de chance, nous aurons enfin un tournoi de personnalité sans Ness et Zelda, mais... Je suis un idéaliste. Waouh, tu es un idéaliste, effectivement, et c'est blessant. Mais je prends. Hop là, est-ce que ton Bowser est prêt? Est-ce qu'il y a des shield breaks qui sont dans l'air, là? Ah, je suis très généreux en shield break. Il y a des câlins qui vont fuser, comme d'habitude? Ah non, pas les câlins de la moitié. Très bien. Eh bien, je pense que sans plus attendre, on peut commencer les festivités. Noir, je me suis que tu as les listes de prêts. Oui. Tout à fait, et les comptes sont côté, prêts. Bon, donc, rappel des règles, c'est donc des règles compétitives, pas d'objets, stage, les stages Lego habituels. Il n'y a pas d'objets, qu'est-ce que je fous là? Oh là là. donc on va refaire comme d'habitude une première phase de groupe où on fera du best of two, c'est-à-dire tout le monde joue quoi qu'il arrive deux matchs contre chaque personne. Il peut y avoir égalité donc. Enfin deux parties, pas deux matchs, bref. Et voilà, et du coup, je vais vous donner les groupes. C'est parti. Alors, viendront avec moi Ven, Jajamik, Benswebb et Linkshazer. Et en face, nous aurons dans l'autre groupe RGT, Mr. Saturn, Bulboel, Chris Peach et Damness. Alright. Parfait. Yes. Donc ouais, deuxième groupe, faut aller dans le vocal juste en dessous. Est-ce que RGT, on peut trop faire confiance pour les scores ou pas, pour compter? Voulez-vous me faire vraiment confiance? Oui, bien sûr. Moi, pour rappel, best of, ne faites pas trois combats. Oui, best of. non, ouais, c'est deux matchs chacun, même si à égalité. Oui, la dernière fois, on s'était trompé sur ça. Et voilà. Du coup, d'accord. Mince. Super, merci. À toutes, bon courage à tous. Bon match, et on se retrouve après. Je vais, j'ai créé l'arène et je vous donne les identifiants pour vous connecter. Hop. Du coup, j'ai jamais, ouais. tu sais comment rejoindre une arène, tout ça. Oui, on m'aide de toute façon, mais je suis, je sais comment rejoindre. Il est clouless. Attendez, c'est vrai que de toute façon je demande pas à tout le monde de rejoindre, c'est juste ceux qui font le premier combat parce que ça j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Faut que je donne. C'était qui? RGT, ouais, s'il te plaît. Je crée une arène du coup? Ça ne te dérange pas. Oui, il faudrait. Putain, c'est vrai qu'on n'a pas demandé, mais ouais, il faudrait que tu crées une arène si possible avec les règles habituelles. Ok, je crée. Super, c'est dans quel vocal qu'il faut que j'aille? Juste en dessous, t'as tournoi Smash 2 juste en dessous. Et bah la même pour moi du coup. Ok, je crée. Ça marche. Bonne chance les gars. Merci, bonne chance. Bon courage à vous les garçons. Merci. Bon courage. Et surtout, have fun. Alors du coup... Ok, télé branché, switch branché. Quand vous venez, mettez bien stage en aléatoire. Ouais, et effectivement, comme on est en stream et qu'on veut éviter que le stream lag à mort, on va à chaque fois... Il y aura Noir et moi dans l'arène, plus les participants des matchs à chaque fois. Et après, il faudra tourner, du coup. Donc là, les participants, c'est Ven et Linkshazer. C'est parti. Ah, j'essaie, mais... Ah, fini. Je vais m'atteler, c'est un peu trop... Tac, j'arrive. Hop, désolé, tac. En bas c'est bon, il se souvient 5, il faut que je vérifie. C'est bon, là. Je suis au chat. Bim. Alors, arène. Rejoindre une arène. Allez. On va passer quoi, un, deux, trois. Euh...
Hop, bah du coup, Noir, je vais te mute pour ce match. Super. Est-ce que je dois commenter tout seul en plus? Tu vas... Ouais, c'est ça, tu vas réussir à commenter tout seul, ça va aller. Non, on est go. Mais vous êtes comment la dernière fois? Pourquoi on avait toujours deux? On n'avait pas de spectateurs, c'est pas possible. Oui, non, mais on demandait aux gens de commenter avec. À chaque fois, on avait soit Bigoel ou... C'est pas grave. Mais du coup, on était tous dans les tribunes, non? C'est ça, je pense que pendant les phases éliminatoires, on était tous dans les tribunes, je crois, non? Je suis pas sûr. Est-ce que t'avais toujours ce Bilbo Hells, soit Damien qui commentait avec toi? Non, on était 4 et il y a une personne qui partait quand même. On était pas plus de 4. D'accord, ok. Mais tu veux un deuxième, on a qui avec nous? Est-ce que. Ah, Masson a jamais mis qui est Ben Swap. Peut-être pas envie de commenter en même temps. Au pire, non, vas-y, c'est facile. On va faire, hein, tant pis. Vas-y. Non, mais même pendant les phases éliminatoires. Mais non, attends, pardon, mauvais personnage, je suis désolé. J'avais pas vu que j'avais pas. Waouh, Pyramitra. Ah oui, super. Alix, j'y vais avec les personnages cheatés. Bah, c'est un sournoi, darling. C'est soit personnage cheaté, soit personnage toxique. Super. Voilà. C'est parti, premier match. Premier match, on a Link contre. Alors, du coup, je savais pas si j'allais dire le personnage ou le. C'est ce que je suis en train de me dire, c'est que tu vas dire Ness ou Ven. On a Link contre Ven et Link contre Ness pour le premier match. Link contre Ness, wouh! C'est parti. Ah, Link qui teste son épée. Oh! Petite attaque de Link qui peut faire que quand il est à 0%, référence à, bah, au premier jeu de Zelda. Ouh, ça commence dur. Piqué Thunder 2. Hop là. Back air. Thunder. Alors, clairement un S qui a beaucoup de pression là. Dash attack pour casser la pression. Mais... Ah, tentative de B ça passe pas, du coup c'est immédiatement puni par Ven. Ven avec son S qui punit vraiment la moindre erreur. Oh, ah non, j'avais pas vu le temps du terrain. Il punit ses propres erreurs également. Ça, c'est pour ça que c'est plutôt fair parce que voilà, c'est... aucune erreur n'est permise des deux côtés. Quand Ven est là. Je vois, je suis en train de rater sur le bord du terrain. Oh, d'accord. Il vole, il vole en effet. Ouh, la dash attack qui punit le F smash. Nerf, fer. Il ne le laisse pas tranquille. Fer. Ah, est-ce qu'il va réussir à revenir? Je pense pas. Sorry, Kido. Oh, la smash qui passe. Oh, la dash attack qui passe par-dessus le piqué fire. Ça fait toujours plaisir de voir un S pas réussir à faire le coup que tu veux. Et. C'est ça, c'est pas nous de I guess. Putain, mais c'est le projet que tu l'as, tu m'en. Ah, je reviens. Ah, bah, reviens vite, je continue. Dash attack de Link, tenter d'un smash qui est raté, Ness qui fait un back air qui mec passe. Mec, assez tranquille pour c'est... commenter les profs combats. Ah, j'aurais pas sauté là. Dommage. C'est sur un fire, thunder, un deuxième thunder qui touche. Ah enchaîne. Enfin, upper, Link qui arrive à raté. Hop, Link qui va pas faire, qui ne passe pas. Hop. Oh oh, ouais, il thunder. A quand même réussi, c'est bon. Bonne punition du up smash, down smash, sûrement up smash. De Ness à l'aide. Oui, c'est un up smash. Oh, la pression des up B. Est-ce que Link va réussir à s'en sortir? Oui, il réussit à redescendre. Link réussit à atterrir, heureusement. Un bon boomerang. Oh, et non, c'est le grave, back. C'est la fin pour Link. C'est le back throw. Ça m'agace, ça. C'est back throw. La triche. Link est agacé. La triche a été invoquée. Ça peut lancer un sujet épineux. Ah, Eddie, coucou Edith. Je m'appelle tout à l'heure, vous bien, merci Edith. Merci. Et c'est le deuxième match qui se lance. Donc c'était quand même serré au niveau des vies, mais peut-être pas au niveau du combat en lui-même, donc il a dû se passer quelque chose. Il s'est peut-être passé quelque chose, qui sait. On arrive sur Midgar. Petit thème d'Aerys. Ah, c'est un magnifique Aerys thème. Très émouvant. Link qui essaie de garder sa distance, mais ah, dommage. Quand je dis ça, il s'approche et. Pas mon tir. Ouf! Le piqué flash qui ne passe pas. Essaye de garder ses distances toujours. Ness qui essaye de s'approcher. Piqué fire, c'est toujours efficace. Et un F-smash. Et c'est le smash.
Il a essayé de se suicider, je sais pas pourquoi, mais c'est pas passé, voilà. Beaucoup de F-mail. Le flash qui passe cette fois, bon, toujours la pression affreuse de... Enfin, pardon. La pression de... Très bonne pression de Ness. Affreuse. Oh, horrible perso de merde. C'était un peu subjectif, quand même. Pas du tout biaisé, on apprécie le commentaire. Oh, la flash qui punit donc la irréalité de Ness. Encore un tentative de up smash. Dash attack, c'est bien Thunder. Thunder qui ne passe pas. Hop, mais... dash attack qui repasse par contre. Puis Thunder. Ah, donc il y a du mal à redescendre Thunder. À chaque fois, toujours Ness avec ses jolis projectiles. Sur un cha-cha-cha en jabé. Et c'est fini pour le 7 vie. Fini. Oh, la smash qui passe. Mais... Bon et petit encore une fois. Oh, le jab. Est-ce que Ness va réussir à revenir tranquillement sur le terrain? Oui, mais c'est le petit qui punit encore. Oui. Ah, attends, c'est le up... Oh, le double B qui... Deux. Le double B qui passe. Je pense que Ven était plutôt surpris. Ah oui, Ven était surprise, décontenancé et déstabilisé, effectivement. C'était bien, c'était rapide, c'était efficace et ça tue, donc... Bravo. Ah mais on sent qu'il est en colère maintenant, là, il utilise beaucoup d'attaques, certains diraient qu'il spam même, regardez-le, là. Quoi Il est en train ça de... Mais c'est bien il est en train de mâcher, mais comme jamais. Regardez ce S-mash, si ça c'est pas du mashing. Oh, dommage. Ah oui, c'était un dodge, dommage. Le machine gun ça a fonctionné. C'est bien fait, c'est le karma des deux bidos filés, ça. Ah bah c'était bien, je rêve, tu parles de karma. le mec, il a spammé des éclairs. Where is the pro? Ah bah oui, je fais ça en tournoi. Je joue pas ça comme ça de manière fun, mais en tournoi, quand le but c'est la victoire, je serais un connard. Le premier match se finit avec une victoire de Ven. Wouh! Oup, oup, bravo Ven. Hop là, qu'avons-nous maintenant? Link, je vais te demander de quitter l'arène pour laisser place à Jeremic et Benz Webb qui vont s'affronter jusqu'à la mort. Ouais, Jeremic et Benz Webb. Rejoignez-nous. Si vous le voulez. Oui, pas... personne n'est forcé. Hein. C'est quand même mieux. Prenez votre temps. Ah, et voilà, Ben Swab, notre premier concurrent. J'arrive. Vas-y, fais donc. Mother Brain. Magnifique. Oui, c'est-à-dire Mother M, mais c'est pas ça. Mother Brain. Metroid Mother M. Hop là. Ah, bah tu sais que je viens de. Bah, du coup, je viens de réaliser qu'en fait ça s'appelle Metroid Other M parce que ça fait Mother en fait quand tu mets le M devant. Oui. Je n'avais jamais remarqué. Waouh, putain, des astuces de Nintendo sur les noms ne s'arrêtent jamais. C'est incroyable. Enfin, c'est Jajami qui arrive du coup Je pense. Parce que oui, je suis en train de vous rejoindre. Très bien. Il est en train de manger des chips là. Oui, tout à fait, il est en train de poser sa bière là et de se préparer pour son match jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie dans sa Switch. Non, t'inquiète, elle sera là la batterie. Oh putain, j'arrive. À 3. Rejoins. C'est bon. Je me remute quand même pour éviter le son ambiant. Pas de soucis. Ouais, d'accord. Et du coup, Ven, quelle est ta série Nintendo préférée? Ma série Nintendo préférée, c'est évidemment la série bien connue Harvest Moon. Ouais, série. Je crois que t'as pas bien compris la question. Pardon, c'est Shin Megami Tensei. C'est vraiment une série assez incroyable. Bon, les participants sont là, donc on va pouvoir faire le match. Bon, ça là, je t'invite à réfléchir à ma question. Voir où peut-être tu n'as pas bien compris. Bien évidemment, Kingdom Hearts. Alors, le but, c'est de rester dans l'arène pour faire le combat. Non, ils ont été éjectés de l'arène. Là, je vois que Ben Swab, il est déjà sorti. Il a été déjà éjecté deux fois. J'ai jamais mis qu'une fois. Ah oui. C'est pas comme ça que... Not working like that. Voilà, ça y est. Il reste une vie à peine. Je suis dans l'arène.
Hop là. Ben Sob, c'est beaucoup plus jamais. Jamie, mets bien en stage, en bas à gauche, tu mets, en bas à droite, pardon, tu mets aléatoire pour les stages, s'il te plaît. Ouais. C'est aléatoire DF ou pas? Non, aléatoire, tout court. Non, aléatoire, tout court. Peu lise. On est bon. S'il vous plaît, on est parfait. C'est parti. Ben, il faut rentrer dans l'arène. Voilà. Voilà. Et go start. Oh, des deux amis. Eh ben tiens. Oh là là, ça valait le coup que tout le monde ressorte et re-rentre et mette 3 minutes à changer son perso pour qu'au final on ait un magnifique match miroir. Que la meilleure Samus gagne. Ouais. Bien, je me concentre Samus, sur celle de droite, Adam. Samus dans la Gravity Suit contre Samus dans la Dark Suit, donc de Metroid Prime 2. Oh, bien sûr. Mm-hmm. C'est une de mes séries PlayStation préférées d'ailleurs. Ah bah, ouh, putain, petit side beat d'une des Samus, oh, avec une bombe d'une autre Samus, et hop, ah, enfin, chargement la de la charge smash. Qui n'est pas punie, donc voilà, bah. Ben Sweep qui a sa charge de prévu. Beaucoup de dash attack, beaucoup de Il se passe des choses, il se passe des choses. Oh, le grab qui passe. Ah, le grab qui passe. Ah, dommage. Ouais, là. Upbeat qui passe, par contre, c'est à la fin. Ah, petit fer, comme ça, non pas fer F-tilt, encore. Pourquoi pas, parce qu'il le vaut bien. Enfin, ça charge les boules. Le up B direct, voilà. Jérémy qui n'a pas le temps de réagir. Hop, de toute façon, joli shield, dash attack de Jérémy qui ne passe pas. Deuxième dash attack qui passe cette fois à bombe, sur soi-même. Ah, le missile au corps à corps qui, effectivement, a du mal à passer. Ah, c'est neutral B qui ne passe pas. Oh, bien, petit F-tilt qui passe. Hop, et la dash attack. Bonne dash attack, oui, qui finit bien. Plutôt forte la dash attack de Samus. Elle a un petit lag, mais après, elle est assez puissante. Ah, oui, mais elle peut tuer. Ah. Ouais. Je prends l'exemple. Ah, notre but ne passe pas. Attention, chargement de la boule de la part de Jajami. Ah, Jajami qui se fait rejeter. Ah, Jajami qui. Ah non, dommage. Le team ici, il est là. Ça, c'est sûrement un bip peut-être raté. J'en prends un à côté, on a Mister Saturn qui a gagné le premier match contre Damnes. Oh, bravo Mister Saturn. Oh, Damnes a perdu. Oh, cherche. Le petit favori n'a pas gagné. Ouais, je suis un peu triste. C'est dommage, parce qu'il faut voir si finit, il ne me verra pas passer à l'écran, hélas. Beau retour de Jajamik. Bravo Jajamik, bon retour sur le terrain. mais Ben Swad n'a pas dit son dernier mot. Ah, petit missile. Ouh, le Chase petit... avec le B qui passe encore. Oh. Deuxième. Mais de Samus vraiment. Oh, la bombe. Oh, oh. Oh. Ça a presque retour tué. Retour sur UB. Ouais, ça a presque retour tué. Retour vers le UB. Retour vers le UB. Ah, encore un UB. UB, encore une fois. Bah, c'est vraiment le coup du match. Temps, ouais, mais c'est de constance, c'est rapide, ça fait mal. C'est rapide effectué, quoi. Ah, il a dash attack qui tue. Dash attack qui tue, bravo Ben Sweb. Ça va, là, on a un bon avantage de Ben Sweb, il a deux stocks d'avance. Mais après 121%, ça peut aller très vite. Oui. Et c'est allé très vite. Et voilà, magnifique. Belle bouboule qui passe. Bravo Jajamik. Ah, mauvais côté pour la bouboule. C'est dommage. Ah, un beat ne passe pas, qui n'est pas fini, donc tout va bien. Tentative de 4 tilt de la part de Ben Sweb, Jajamik qui continue de devoir utiliser ses missiles, qui reste du mal à toucher. Ah, la bombe par contre qui touche. Ah, plus le B, et qui ne contactera pas jusqu'au bout. Un beau combat de B. Non, alors, une fois arrêté. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il faut savoir que du coup, le B de Samus, c'est la Screw Attack, qui est vraiment, en général, un des derniers boosts qu'on gagne dans les jeux Metroid, qui est vraiment très très forte, qui one-shot quasiment tout, mais c'est pas une raison pour en abuser dans Smash Bros, parce que comme vous pouvez le constater, ça ne one-shot pas. Voilà, ça ne one-shot pas, c'est punissable, c'est un peu dangereux. Mais pourquoi pas. Mm-hmm. Ouh, le grab qui passe. Ah, le fer, ça aussi qui passe. Dash attack, qui arrive sur la bombe de Jajamik. Fer qui ne passera pas. Grande bombe de Jajamik qui passe. Jajamik qui met des bonnes petites bombes pour être un peu illusif. Oui. Tout à fait, illusif, très joli mot. Oh, oui. Je suis pas sûr qu'il existe, mieux, mais en tout cas en anglais, ça existe. Donc, vous êtes très illusif, j'ai jamais que ça. Tentative de F-Smash qui aurait fini, mais c'est pas passé. Ah, encore F-Smash. On voit qu'il y a une tentative vraiment de. J'ai jamais qui veut vraiment jouer son perso distance. Ah, oui, mais c'est vraiment très illusif. Et la dash attack qui tue. J'avais envie d'en finir.
Bravo Benswebb. Benswebb qui arrive plus facilement peut-être à jongler entre le court et le long porté. Je suis désolé, je suis un peu une chèvre, mais bon. C'est pas grave, tu te. Je donne un peu de moi. tu te défends, c'est très bien. Non, ouais. Hop. Et surtout, restez là parce que vous allez faire le match retour du coup. Absolument. Oui. Je suis prêt. Il est prêt. Donnez tout ce que vous avez pour cette Majora Cup. Merci Link d'ailleurs de représenter la série Zelda pour la Majora Cup. Oui. Merci Link. Heureusement que tu es là. Tu es un peu le champion de ce tournoi du coup. Tout le monde compte sur toi pour le gagner. Pour ramener la Majora Cup à la maison. T'as très mal barré. C'est justement la Honnête Cup. Ce sera le seul représentant. Jamais. Avec l'histoire cette fois. Et on commence avec un missile de GGM qui est comporté qui touche. Dash Attack qui ne passe pas. Par contre, deuxième Dash Attack de Benswebb qui passe cette fois. Ah, belle esquisse de Benswebb. Ouh, Benswebb qui tourne autour de la Samus là. Benswebb qui est assez élusif. Qui est très élusif du coup, on a deux élusifs. Le B qui ne passe pas. Down Smash. Down Smash qui passe, qui connecte sur un upper. Fer par contre qui ne passera pas. Ah, oh, le grab, la chope qui passe, la chope qui passe. Qui nous mènera sur un autre. Ah, la dash attack qui passe aussi, bravo. Oh, la et up smash, bravo, joli. Oh, j'ai jamais que ça arrive à passer. J'allais dire B dans deux secondes, mais c'est encore plus rapide. Et c'est déjà un peu plus serré, oui. Oh, ouais. Oh, bien joué, la boule qui passe. Le neutral beat qui passe. Mais j'ai jamais qui n'a pas eu son dernier mot. Ah, hélas, il charge son smash un peu trop longtemps. Le Dunshield du coup de Wild Ben Swap qui n'a pas smash qui ne passe pas. Oh, magnifique shield contre le missile de Jajamik. Grab de Jajamik qui passe, qui exclut. Jajamik là, un peu le contrôle du tempo pour l'instant, mais. On a pu voir qu'un un mélange de bons mouvements et d'élusivité, Ben Swap peut facilement reprendre. Jajamik va-t-il revenir? C'est un peu upper, mais. Ouais, on sent que. Ah, upper qui tue, bravo! Oh, bravo, bravo. J'ai jamais tapé sur les moves. J'ai jamais qu'il maîtrise déjà un peu plus que dans le match, je trouve, là. Ah oui, c'est déjà plus serré, oui. Ouais, c'est déjà plus serré. On dirait qu'il maîtrise. Ah non, dommage. Le air dodge en dehors du terrain. Dommage, ouais. L'air dodge en dehors du terrain qui ne pardonne pas, hélas. Putain, c'est serré, tout peut arriver. Dash attack qui passe, chargement de la boule. Jajamik qui veut punir par un missile. Esquive de la boule par Jajamik avec le saut. Donc là, hop, Jajamik qui a l'avantage cette fois, voilà, on va vraiment. Oh, beau pari. Ah, Benswebb, oui, Benswebb qui revient. Tout peut arriver, voilà. Belle dash attack qui passe, tentative de back air qui ne passe pas. Downer non pas. Plus. Downer qui passe. Enfin, Downer qui prend l'avantage, mais c'est toujours très serré. Ça reste assez serré. C'est celui qui vraiment se laisse pas faire. Oh là là, c'est upbeat. C'est vraiment un vrai match de ping-pong. Oui, les coups s'envoient et se renvoient. Qui reprend un peu l'avantage. C'est bien, c'est vraiment pas du camping de projectiles, non, il y a un mélange entre du projectile... Ouais, on a vraiment... Ouais. Oh, jolie protection de Ben Swap qui a su réagir face au projectile. Mais ouais, on a vraiment... on a les deux. C'est assez beau, c'est joueur de Zelda, prenez-en de la graine. Ouais, prenez-en de la graine. Mais en même temps, on tourne, il faut qu'on gagne. Oh, magnifique backer qui passe de Jajamik. Jajamik qui a vraiment l'avantage pour la première fois de toute cette confrontation de Samus. Donc est-ce qu'il va le garder? On a vu que Benswebb n'a pas été dans les mots. Dash attack qui passe. Benswebb qui charge. Ah, missile contre missile. Belle esquive de Benswebb qui s'est enchaîné sur un neutral qui passe par contre. Le passe. Ah, le père qui passe mais qui ne tuera pas. Ah, Jajamik qui rend sa chute un peu plus contrôlée grâce au Dummy. Élusive. Le qui est toujours puni par la dash attack. Backer. Ah, Dunsip. Oh putain, le missile qui passe. Chaque pourcentage pris par Jajamik est plutôt bon. Oui, tout à fait. C'est toujours une stock d'avant. Tentative de upbeat sur upbeat qui ne passe pas.
les deux se cherchent, hein, les deux se cherchent, oui. Les deux se trouvent à la faille, Jajamik qui arrive à... avec une dash attaque, tu as l'avantage. Oh, ouais, une frappe de Benchop qui envoie 20 dégâts Jajamik. Le père qui connecte pas jusqu'au bout, hélas. Il aurait pu peut-être tuer. Ah, oh, et le backer de Benchop. Tu pas, non. Ah, c'est un downer. Oui. Ah, j'ai cru que c'était un backer. Non, le backer, il aurait tué, oui. Autant pour moi. Autant pour moi, ouais. Double roulade. Oh, putain. Benchop fait vraiment ce qu'il peut pour le tuer, mais Jajamik tient un bon. Ah, peut-être ouais, Dunthrow qui ne tue pas non plus. Jajamik qui a 202 là, qui est vraiment proche de la mort. Oh, Bobby de Jajamik qui est... Ah, Benswap qui fait un F-tilt. Qui va tuer. Et la boule qui tue. La boule qui tue. Ce n'est pas encore fini, tout peut arriver. Ah, Jajamik qui s'est pointé à distance. Ah, la boule de Jajamik qui rate. Enfin, Benswap elle va esquiver plutôt. Ah, Jajamik qui rend en bonne posture là. Passe. Il est en bonne posture, mais c'est pas fini. Ouh, Jajamik qui arrive à... 123%, il y a beaucoup de choses de Samus qui peuvent tuer, là. Le FB, il pourrait tuer. Mais... attention. Il faut vraiment respecter la distance. Il faut passer pour être tué aussi. De Covid, en ces temps troublés. Garder un tir chargé de distance entre dash vous, attaque. Le dash-attaque qui ne tue pas. Mais Benswap revient. Benswap qui revient, qui cherche la boule, qui shield... La parade. Oh, magnifique. Oui. C'était très beau. Parade plus renvoi direct sur. Oh là là. Très beau. Ah, Jajamik qui essaie d'en finir, hein. Il essaie d'en finir, mais Benswap ne se laisse pas faire. Tentative de smash chargé qui ne passera pas. Le n'est pas passé. Non, passe pas le. Ouf. Alors là, vraiment, on est vraiment. Oh là là. Est-ce que Benswap va réussir à faire le. De Benswap. Il était à 147%. C'est arrivé. Ah, j'en je suis en train de. Oui, je suis. Oh, la dash attack de Benswap, belle remontée. Félicitations. Oh là 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 là. Bravo, bravo à vous deux. Ouais, GG Ben. C'était très serré. Alors, je vous cache pas. Au cas où, sachez-le, je pouvais pas le dire en plein match parce que voilà, faut pas aider, mais si jamais si vous voulez tuer avec Samus et que vous grappez, c'est le upthrow qui tue. Oui, c'est pas le backstroke. J'ai pas encore tous les termes, mais promis pour le prochain tournoi, je les apprendrai. Non, mais c'est quand tu grabes, il faut envoyer vers le haut. Pas en arrière, vers le bas. Ah, ok. À partir de 150% à peu près, ça dépend des personnages, mais ça peut tuer. Ok, merci pour l'info. On prend le plus fort. Merci. Mais bravo à vous deux, bon match serré, c'était intéressant à regarder. C'était joli. Ça se voyait qu'il y avait un peu un manque d'expérience, mais c'était quand même très bien effectué. Oui. Oui, surtout avec un rétroéclairage pas ouf. Un bel soleil. Profite du soleil. Alors, pour le prochain match, Jajamik, tu restes. Et Benswap, tu reviendras plus tard. Et Link Chaser, tu reviens, voilà. S'il te plaît. C'est parti, Jajamik versus Link Chaser. Nous aurons donc sûrement Link contre Jajamik, Link contre Samus. Link contre Jajamik, Link contre Samus. J'avoue, je serais incapable de dire qui va gagner cette rencontre. Ça va être un peu serré parce qu'on a des joueurs d'à peu près du même niveau, mais deux persos qui peut-être un avantage sur Samus, mais à voir. Tu penses qu'en termes vraiment purs de tier list, tout ça, Samus est légèrement meilleur que Link, mais ça reste assez serré. Link, il a des bons moyens aussi de zoner, de casser... le zoning aussi de Samus, tout ça, donc... Donc, à voir. Si vous êtes prêts, les garçons, vous pouvez lancer. Fight. Hop, et bon courage à vous deux. Merci. May the odds be in your favor. Ah bah, tentative déjà de zoning de la part de Samus, Link qui arrive. Oh, les petits le smash, ça passe, voilà, donc ça c'est... Ouais, qui passe. On a quand même... la différence entre les deux persos, c'est que Samus peut zoner mieux, a de meilleurs projectiles, mais Link est quand même meilleur en combat rapproché. Ça reste un EPI, ça prête trop. Comment est-ce que Link va... Oula, Link qui n'a pas vraiment... qui n'a pas réussi à shield sur le terrain. Deuxième projectile, et Link... Mais Link qui arrive à revenir quand même, Link. Oui, il Link revient. Qui revient. C'est une troisième boule. Samus non, pas cette fois. Ça ne passera pas trois fois. Il ne se fera pas avoir trois fois. Jamy qui prend vraiment une technique différente là, du coup. Hein. On voit beaucoup plus de zoning. Ouais, plus de c'est vraiment ce. Ah, le retour du up B. Ah
Up smash qui passe. Ah, le deuxième ne passera pas. Et backer de Samus qui tue. Il tout. Bien joué, Samus. Ah, oh, Up smash de Link qui ne tue pas. Belle DI de la part de Jajami. Ah, Up B qui tue. Ne tue pas, mais c'est, ça, c'est beau, Link. À côté, on a Jajami notre qui revient. Bulboel, notre belle plante qui a battu Chris Peach là pour leur premier match aussi. Ah, bravo, Bulboel. Bien joué, bien joué. Ah, dash attack de Link, mais comme elle est lente, c'était la dash attack de. Ah, le up smash qui ne tue pas. Je crois qu'il est un peu stale là, la force, c'est pour ça. Ah, peut-être, oui. Non, il aurait clairement dû tuer, je pense. Par contre, le smash, lui, il était pas stale et il a bien tué. Bravo. Link avec une bombe bravo, en main, c'est très dangereux. Ah, surtout pour lui-même. Et qu'il se reprend sa propre bombe. Je pense que là, un Cryonis ou un Polaris OIS aurait été peut-être. Plus adapté. Polaris. Avec les bombes à distance. Ah non. Ah, bah c'est pas qu'il ne passe pas. Up smash qui passe par contre cette fois. Toujours, oui. Oh, le B. Oh, voilà. Up B. Donc, Up B qui, on se rappelle, a bien énervé Ness. Toujours aussi efficace. Le Up smash, oui, toujours. Donc, Up smash qui passe. Jajami qui essaie d'attirer sur Link. Un peu l'avantage. Ouais. Est-ce que Jajami va pouvoir peut-être trouver une autre approche? Oh, dash attack de Jajami. Ouais. C'est un peu le défaut de Samus, c'est s'approcher vraiment, surtout par en haut, elle a pas grand chose. Son fer il attaque vers le haut, son upper attaque vers le haut, son down air il est lent. Oui, ah, il y a que le nerf à la rigueur. Mais... Tentative de bouboule, mais Link n'est pas dupe. Voilà. Oh, Link passe par au-dessus, Link passe par au-dessus qui arrive à zoner cette Samus. Le zoneur qui met. Oh là là, le boomerang et la flèche à l'envers qui ont complètement perturbé Samus. Du coup, pas réussi. Ouh, flèche de la part de Link qui arrive à zoner son adversaire également. Ah, attention, il ne faut pas le choc des technologies, hein, donc. Ah, oui, totalement. F smash qui passe. Oh, encore le up smash. Oh, sur un up smash. Ouais, dommage, Jajami qui a fait son air dodge dedans. La Link qui arrive vraiment à tirer parti de ses projectiles. Hein. Oui. Qui a vraiment enchaîné projectile du combat attaque au corps à corps. Samus. Ouais. Oh, le smash qui. On n'est pas loin d'un shield break. Hein, Samus, ouais. Dash attaque de Link qui est lente mais très forte aussi. Ouais. Samus qui essaie de reprendre l'avantage avec la distance. La boule que Link a prévue. Ouais. Bravo. C'était très beau. Bravo Link. C'était la belle remontada. Oui. Une fois au final remontada, mais il était le désavantage a duré pas si longtemps que ça, quoi. Ça a été quand même Très belle contrôle sur pas mal, justement. Ouais, mais dès qu'il a compris le truc, dès les coups de Samus, il a réussi à s'adapter. Et du coup, pour ce deuxième match, on espère que Jajamik va trouver le compte, la parade. Ah oui, on se rappelle que Jajamik avait beaucoup de mal au premier match contre Ben Swab aussi, mais il y a eu une grosse différence au deuxième match. Donc, si on aura le droit à la même chose vrai, ici. C'est vrai. Sur Yoshi's Island, on commence en hiver. Donc, jolie neige, ça permet un contraste intéressant avec les couleurs de Samus. Retour sur le match. Hop là, oh le grab de Samus qui passe. Voilà le grab avec les FX qui passe très bien aussi sur ce fond blanc. Oh oh le foot. Oh, c'était presque passé. Oh là là. Ah le FB qui punit, voilà le meilleur coup sûrement de Samus au corps à corps, hein, le FB. Tu t'approches trop de moi, tu te prends un FB. Oh, beau shield. Ouais. Mais Link, c'est un peu pareil avec son SB aussi. Oula, on a des esquives, on a le F smash. Le retour de l'élusivité. Il faut savoir que le stage. Oula, reviens pitié. Oh non, dommage. Reviens pitié. Il a fait une Link là. Voilà, donc on est arrivé en printemps. Printemps. Donc là, je trouve que c'est les couleurs de Link qui ressortent bien cette fois. C'est vrai, ça se perd un peu. Yoshi of the Wild. Yoshi of the Wild. Oh, la dash attack qui passe. Oh, le F-Smash qui. Hop, le troisième coup du F-Smash qui touche à peine. Tentative de down air. Un petit jab. La flèche qui passe. Beaucoup de pression, hein. Samus a du mal à reprendre pied, mais voilà, elle a repris pied maintenant. Parce que Link va réussir. Link revient. Et c'est bon, Link reprend pied aussi. Le F-Smash qui passe, qui ne tue pas.
Oh, le MB qui devrait tuer! Oui, oh là là, magnifique! Belle interception! Bravo! Bonne connexion, on voit vraiment la 5G en action. Merci, la connexion de couche de donc. J'ai jamais qui essaie vraiment, mais. On remercie notre sponsor, ma connexion internet. Notre sponsor Orange. Oui, Télécom. Merci beaucoup. Toujours efficace. Toujours là quand on a besoin d'aide. Mais ouais, du coup, je le stage qui est plus avec Pokémon en termes de longueur, donc nous c'est peut-être. Non, pas du tout, c'est une blague. C'est peut-être des avantages de Jajamuk du coup. Oh, la boule qui passe, bravo Jajamuk. Le dodge. Oh, un petit grab comme ça, genre. Tu me refais plus ça. Fink, il a vraiment. C'est ça, un petit coup de pied de Sparta là. Retentative de grab. Ah. Jajamuk qui tente de mettre de la distance là, qui fait. Oh, une bombe, attention. Oh, faire sur Downtilt qui passe. C'est la bombe. Oh non, Jajamuk, oh non, la panique de la fin. Oui. Oh, c'est dommage. Désolé, j'ai pas encore les bons skills pour rattraper les zones. C'est pas grave. Je fais les mêmes erreurs de temps en temps aussi. Tu t'es déjà battu quand même. Bravo à Link. Félicitations à Link. Ce petit 2-0. Merci, déjà. On va avoir un match sans commentaire maintenant parce que c'est Ven mais contre moi. C'est parti. Et personnellement, je ne commenterai pas pendant ce match. Sauf si vous voulez commenter. Hein. On peut essayer là. Si vous voulez. C'est vrai, venez. Même Ben Swap, si tu veux venir. Ça venez commenter. À 3 peut-être. Dis ce que vous pouvez. Tous les coups. Tu peux rejoindre du coup l'arène. Si tu veux commenter, oui, sinon t'es pas obligé. Mais après, commenter, ça veut dire n'importe quoi. Là, on se doute bien que vous n'avez pas l'habitude. C'est sur animé. T'es pas obligé, c'est comme plus ça. Vraiment, je vais regarder tranquille, je vais vous laisser jouer parce que je vais dire de la merde. Et... D'accord. Mais c'est pas grave, tu peux. On va dire des choses intelligentes. Oh là là, Wolf, vraiment dès le début. Bah, tu crois que je rentre quoi. Nes vraiment dès le début. C'est parfait. Ça me permet de m'entraîner. Quoi. Ok, c'est Wolf. Pas le temps de niaiser. Il est temps de gagner. Alors le combat commence gentiment, ça se tourne autour entre Wolf et Ness. Beaucoup d'esquives, beaucoup de shields là, c'est toujours très bien placé. Typique et fire de temps en temps de Ness. Wolf qui donne ses petits coups de griffes là, ses petits coups d'ongles. Là. Sexy Wolf. Aïe. Ah, petit grab de Ness là, qu'on a senti que Noir était pas d'accord. Noir is not okay with the grab. Don't touch me, en fond démon. Le yo-yo qui loupe. Oulala, attention. Ness, est-ce qu'il va réussir à revenir? Ah, et Noir qui punit. Bien joué. Bon, petit retour de Ness en ce moment-là. Wolf qui arrive plus à toucher depuis quelques temps là. Le petit grab qui va sonner peut-être la fin. Non, il arrive à rester. Ah, l'éclair là qui. Putain, comment tu fais ça? L'éclair qui tourne. Ouais. Retour de Ness. Bien joué, retour de Ness. Un mort partout. Attention, même s'il est déjà un petit peu entamé. Ness est entamé. On va voir que Wolf continue, continue sur sa lancée du début. Voilà, il vient de le dire. Punition. Air dodge punish. Ouais. Un coup d'ongle. Et voilà, et maintenant, il sort les torches. Le Ness, ça rigole plus. C'est sûrement une bonne. Ah, attention, reste pas trop en l'air Noir. C'est bien. Au rattrapage. Putain, c'est pas le temps de me punir, perso sans lag là. Ah, il part. c'est quoi ces persos là qui tapent super vite entre chaque coup? Ouais. Pas le temps de punir. Je peux parler avec. Mais bon, pour l'instant, vous tenez encore autour là beaucoup. C'est relativement équilibré. Une vie d'avance.
Ouais, c'est ça, dès qu'on est en l'air, là, c'est difficile d'échapper à... Ness. Et bon, on va voir ce qu'il va tenir, ce qu'il va tomber sous les coups d'ongles aiguisés de Wolf. Non, jamais je ne me laisserai faire. Un bon combat de bouclier. Bouclier contre bouclier. Je me donne plus beau. Ça devient un staring context. Ouf. Ah, bon, deux coups là. Attention, ça va être tendu là, ça devient difficile pour Ness. Ouais, mais dans ce match, mais bon, c'est jamais. Ah, bien joué, un petit match qui passe. Et voilà, fini. Premier combat gagné par Wolf. Ouais. Noir, bravo Noir. Wolf aux ongles aiguisés. Wolf fait sa manucure. Très belle manucure. Wolf, une icône des drag queens. Lui-même. Une icône de drag queen. Link qui commente très bien. Non, c'est pas vrai. Ah, moi j'aime bien. C'est tellement pas. Alors, Ness a donné un coup. Wolf a redonné un coup. Attention. Tu donnes tout ce que t'as et oui. C'est beau, Link. Puis il y a, voilà, y a les histoires de griffes de Link et tout. De Wolf, pardon. Ouais, de Wolf. On aime bien. La petite touche personnelle, là, on aime bien. Link, il a pas de griffes. Encore le thème d'ailleurs. Il prend dans la gueule. Ouais, encore le thème d'ailleurs. Attention, c'est un peu. Tiens, on jabait. C'est ça que t'as fait faire tout à l'heure, normalement, t'as fait un... Oui, j'ai fait un side B. Oui. Tu as lu dans mon... Attention, ça commence un petit peu plus vite que le combat d'avant, quand même, là. Il y a plus de coups qui tombent, mais vous êtes toujours à égalité. Enfin, c'est équilibré. Attention. Tous les deux, là, vous restez bien sur le sol, vous n'êtes pas trop dans les airs, parce qu'on a bien compris que dès que ça arrivait... C'était fatal. Ah, là justement, ça va commencer à être difficile. Non, bien, belle rattrapage de Noir. Ah. Est-ce que Ness va nous sortir un coup de son sac à dos? Grab et qu'il l'envoie dans les airs. Qu'est-ce que c'est qu'un coup du sac à dos? Mais il a un sac à dos. Il a un sac à dos. Donc il sort des battes, des. Ah. C'est donc de là que ça sort. Et donc le grappeau qui est fatal pour Wolf, qui va devoir se venger du coup, qui va dire non. Pendant que vous rentrez dans le cœur de la terre, le cœur de Gaïa. La rivière de la vie. Tout à fait. Le bouton de l'or, le final point plus ça va. C'est ça. Tout va bien. Attention, il y a Jéhovah qui arrive. Jéhovah, c'est pas là. Not the same person. Nous sommes témoins de son arrivée. C'était exactement. Pendant que on remarque que Wolf a toujours du mal à sortir le Ness du. Dis pas ça. Enfin, faut que j'arrête de putain la dash attack, c'est imprimissable ce truc. Ça. Ah. Ouais, la tendance est un peu inversée par rapport au combat d'avant, Wolf qui a un peu du mal. Oh, la dash attack qui tue. Voilà, il était temps qu'on punisse Ness là. Va-t'en, petit sacos. Mais bon, il revient, il a encore tout son temps, là, Wolf ça va être très dur à tenir, il te reste plus qu'une vie. C'est pas ça, c'est un peu pareil. Et puis il sort les torches, le petit. Torche, yo, coup de bat, flash, ice, et c'est fini. Non, il n'y a pas de ice lui. Non, il n'y a pas de ice. Le flash. Oula. Pendant que le météore tombe sur le ciel, qui va se faire arrêter par la rivière de la vie. Et le magicien. Ceux qui ont vu Final Fantasy VII savent. Les vrais savent. Aïe, les vrais savent. Et pendant que Wolf remonte son retard, puisqu'il a ressorti Ness et qu'il lui reste suffisamment de vie pour peut-être espérer le sortir, rien n'est joué, mais si Ness se reprend. Wolf va avoir beaucoup de mal. Coup de yo-yo, coup d'éclair. Esquive dans les airs, combat aérien, c'est du Dragon Ball, c'est pas possible. c'est merveilleux. Pendant que c'est le. Bien joué. Yes! Wow! Bien joué. C'était à combien de pourcents là? Il était à 100 et quelques. Il était déjà à 100, je pensais. Ah, j'avais pas fait gaffe.
Bon, ce combat m'a redonné des feels de Final Fantasy VII en même temps. C'était parfait, on a appris beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est vrai que l'arrivée de Wolf contre Sephiroth, c'était mon moment préféré. Ah bah totalement. Hop là, bon, égalité du coup pour ce match. Quels sont les prochains heureux élus? Ah oui, c'est vrai, c'est moi et Jean-Jamic. Eh bien, go. Merci pour tes commentaires, Link, c'était très agréable. Merci. Juste au cas où, partir, au cas où, depuis avant, je compte les vies, et si jamais on a une égalité, ça se jouera à celui qui avait le plus de vies. Qui garde le plus de vies à chaque fois. Ah bah non, je savais pas, j'aurais joué différent. On recommence. J'invalide le tournoi. Ok, Jajamik, tu peux rejoindre l'arène du coup. Je te recommande un verre. Ils font quoi les Lyonnais là? Je sais pas, ils sont en IRL, je crois que même qu'ils profitent des terrasses. Ah, ils foutent juste de ma gueule, donc c'est bon. Noir contre Jajanix, c'est parti. Noir change de perso, est-ce qu'on aura peut-être une Psyra et Mitra? Est-ce qu'on aura autre chose? Ou est-ce qu'il va juste changer la couleur de son Wolf? On ne sait pas. Tout peut Noir, je peux te demander une faveur? Quoi? Sois doux et délicat avec moi, c'est mon premier tournoi quand même. Pas de soucis, j'ai pris un personnage qui fait partie d'une communauté qui est réputée pour être douce et délicate. Les bears. D'accord. Les bears. Ah, j'allais les bears. tu peux rêver, ils sont pas de pigeons, ils ont pas de poussière. Genre si la banjo, il est horrible avec banjo. Ça va faire des charges, je vais t'écouter. Et c'est parti, banjo et Kazooie contre Samus. On est parti. Voilà. Oula. Moi, je prends un coup, je sais même pas ce qui vient de se passer. Voilà. Dash attack de Banjo qui passe. Je connais beaucoup moins les coups de Banjo, donc je ne vois pas trop faire ce qui se passe. Mais ça passe des choses. Banjo qui fait des coups qui touchent. Magnifique. C'est beau. C'est très beau. Voilà, Banjo, il fait des coups d'aile, des coups de Banjo, justement. Mais je sais pas. Je sais jamais ce qui sont affichés ou sont déjà. Je sais pas quoi. Pas décrire précisément ce qui se passe. Mais ce que je peux préciser, c'est que Banjo prend l'avantage sur la Samus. Samus qui essaie de revenir sur le terrain, c'est Banjo qui met un coup, je sais toujours pas lequel, mais il met des coups, et ça c'est cool. Qui explique à Samus. Ça c'est sans doute le style, un ça. Fer. Plus un fer, oui. Ça c'est un fer. Down smash. Effectivement, down smash, ça on reconnaît. Pauvre Jajami qui essaie de revenir comme il le peut. Jajami qui tente un F-tilt, deuxième F-tilt qui passe, troisième F-tilt qui passe pas. Ouh. Oh là là, magnifique! Projectile, tout connecte. Noir qui revient sans difficulté. La charge de Banjo, voilà, bien sûr, on l'attend. Hein, la charge qui rend Banjo invincible et qui expulse très facilement. Néanmoins, cette charge est limitée, heureusement. Dash attack de la Samus qui passe. Elle est limitée à l'infini moins 1 quand même, hein, donc voilà. Oh, il en a 5 genre. Ah, le down throw to up tilt qui passe. To upper hand qui passe. Hop, le left tilt. Le up smash. Oh là là, le F smash de Samus qui tue. Pas mal Samus, bien joué. Banjo, bien sûr, on a grab sur un down throw. Back throw, pardon. La grenade qui ne passe pas, Samus qui continue quelques F-tilt, plus... Ah, dommage, le projectile cette fois qui ne passe pas. Voilà, petite dash attack de Banjo qui est resté avec Samus sur un F-tilt qui passe, Samus qui essaie de se sentir, qui arrive encore une fois, F-tilt ou F-tilt qui passe. Qui arrive à remettre un petit peu de... Ouh, la grenade envoyée par Banjo. Très belle grenade, Samus qui essaie de spacer comme elle le peut avec des projectiles. Ah, c'est la fin, voilà, le fameux down throw to up smash de Banjo. Il était compliqué de se sortir de cette situation. Mais voilà, Samus n'a pas eu son dernier mot, Samus voilà, qui continue d'essayer de charger ses projectiles, de zoner un peu comme elle le peut. Ah, Banjo qui va se rapprocher avec une petite dash attack, tentative de nerf qui ne passe pas, F-tilt qui passe. Oh, la boule de Samus qui passe. Qui va recharger un projectile directement, la charge du Banjo qui passe aussi, deuxième charge, voilà, c'est horrible, c'est Banjo, hein, il est capable effectivement de tirer un peu les charges comme ça qui vont faire très mal. Troisième charge, voilà, ça passe, bien sûr ça passe, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, quatrième charge qui ne passe pas, il n'y en reste plus qu'une. La cinquième qui va tuer, voilà, le petit spam de charge qui passe et qui tue.
Bravo Noir, beau combat, belle fin. Merci, bien joué. C'était vraiment beau. Mais bon, c'est une des forces aussi de Benzo, hein. Ça s'écharge. Faut essayer de s'en défendre comme on peut. Hop là, Jajami qui s'est quand même bien défendu, mieux que ce à quoi je m'attendais, je vais être honnête. Bravo Jajami, bravo à toi. Et on est parti pour le match retour. Je change de personnage au cas où. Vais prendre... Voilà, parce que dans les règles, le gagnant, si le gagnant veut changer de personnage, il doit l'annoncer, puis choisir le personnage, puis ensuite l'autre joueur a le droit de prendre un counter pick s'il le souhaite. Je prends le héros. Ah, il va prendre héros. Est-ce que Jajami va rester sur Samus ? Là, je reste sur Samus. Elle me suivra jusqu'au bout. C'est parti. Le héros donc connu de la fameuse série Nintendo de RPG Dragon Quest. Mm-hmm. Tout était correct, ça fait Nintendo. Nintendo. Je sais que tu le sais, mais je le précise quand même au cas où. très Nintendo. Oh, voilà, attention, le héros a lancé sa réflexion, ce qui veut dire qu'il renvoie tous les projectiles tant qu'il a son cercle violet autour de lui. Donc attention, pas de projectile. Voilà, il l'a plus. Héros qui continue le sort. Le Mega Bang qui passe, qui tue. Je sais pas si c'est un Mega Bang, mais c'est tout quand même. Voilà, héros qui continue son sort. Mais héros qui commence à être en manque de MP. Samus qui a même pas en profiter, qui fait un peu. Qui avance avec le projectile là, qui fait un peu de distance. La dash attack du héros qui ressemble beaucoup à la dash attack de Link d'ailleurs, c'est marrant. Le Mega Boom qui ne passe pas. Samus qui en profite pour un double projectile qui passe. Hero n'a plus de magie, n'a plus de PM. Voilà, il vient de refaire un petit peu de plein grâce à un coup. La torpeur qui passe et... Oh ! Petit coup, son petit lunaire. Sur un fer ensuite, Samus qui arrive à revenir sur le terrain, qui tente un missile au corps à corps qui ne passe pas, hélas. Le héros qui vient de se décupler. Un toit qui ne passe pas, voilà, heureusement, sinon on aurait entendu des rageux. Hop, le héros qui arrive à se rapprocher de la Samus et bien joué, bravo héros. Le Mega Track Quack, je sais même plus comment ça s'appelle, qui passe et qui insta kill la Samus. Voilà, c'est un sort du héros hein, qui fait que il a une chance de vous insta kill avec ses sorts. Voilà, s'il vous touche avec, bien sûr. Samus du coup qui tente de revenir là, qui tente de son projectile, le héros qui fait une roulade, qui enchaîne sur dash attack, de Samus qui passe aussi, le héros qui est projeté. Dash attack encore une fois de Samus qui passe, on dirait un peu le Benjo qui s'écharge, sauf que les charges sont beaucoup plus petites. Une tentative de coup, le projectile que le héros a pu lire et se fait par-dessus. Hop, la réflexion au dernier moment qui tue Samus, bravo le héros, bravo le veau. Le héros du lendemain. Le héros de la réflexion, enfin le héros qui a réfléchi vraiment et qui a réfléchi le projectile. Je connais ça, mais je connais maintenant. Oui, effectivement, bah, t'as pas de chance de tomber sur le héros qui peut renvoyer. Merci pour cette découverte. Je t'en prie. Voilà, on espère que tu as apprécié ce moment. Donc, du coup, bravo, victoire de Adam avec son banjo et son héros. Bravo Adam, bravo Noir. Avec son banjo et son héros. Son banjo et son héros. Tu partais à l'aventure. Alors maintenant, j'aimerais Link Chaser contre Ben Swab. J'arrive. Désolé, petit chat. C'est parti, messieurs. En place. Un match qui s'annonce serré. Les deux ont eu des matchs gagnants, mais serrés contre Jajamik, donc... Ouais. Donc, tout peut arriver pendant ce match. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'autre arène, du coup ? Pour l'instant, non. D'accord, très bien. J'ai oublié. RGT et Mister Saturn qui ont fait une égalité. Oh, incroyable. Encore une fois, le talent d'Achille de RGT serait peut-être NES. Peut-être. Mais on a vu qu'également, Pyra et Mitra, c'est un bon talent d'Achille sur son Bowser également. Et on est parti pour un Link contre Ben Swab, Link contre Samus. Mais j'ai déjà fait ce combat. Non, tu as combattu Samus avec la Dark Suit, maintenant tu combats Samus avec la Gravity Suit, ce n'est pas pareil. Voilà, c'est pas du tout la même chose, bien le gameplay change totalement. Ah, petite boule, tenter un projectile tout dash attack qui n'est pas passé. Beaucoup de roulades, beaucoup de dash attack, ça roule beaucoup. Ce pseudo, Ben Swab, la toile de web,
Ah, oui. La toile de web. Non, la toile de Ben. La toile de Ben. La toile de Ben. Voilà. Ben qui en anglais veut dire toile. Tout à fait, la toile de toile. Le match. Oh, le match qui passe. Qui passe. Pardon ? C'était Benson qu'on entend de loin ? Non, c'est. Je sais pas. Oula ! Non, je parle pas. Donc on a aussi le voilà le joli pseudo de Link, hein. J'arrive pas à savoir d'où ça vient par contre, mais c'est original, c'est cool. Ouais, Link, mais je pense qu'il voulait créer un lien. Ouais, je pense que c'est parce qu'il voit un peu le côté lien dans la communauté, à la fois la communauté de Smash Bros et celle de Next Gamer, et donc c'est vraiment, c'est bien. Link représente bien la communauté. Je pense qu'il aime se faire attacher. Il aime quoi ? On est sur Twitch. Ah, nice ! Ben Sub qui arrive à... On est sur Twitch, je n'ai rien vu de particulier, tout là-bas. Oui. Up smash de Link. Oh, le AB qui... qui connecte sur le AB, joli. Ben Sub qui va se défendre avec un S smash plus S tilt, mais qui n'a pas eu tout. Link qui voit que les amis le grab du mauvais côté. C'est bien dommage. F tilt encore une fois, de Samus. Oh, le... Oh non ! Ah, la... l'air dodge de trop. L'air dodge de trou, du coup, avantage pour Samus. La boule que Link a réussi à... Oh, bah, pareil, le S-Smash. Bravo. Voilà, écoutez, une vie chacun, qui est à 0%, mais maintenant, petit avantage pour Samus, mais c'est vraiment rien du tout. Ça veut rien dire tout. On a vu que Link, voilà, il mange des Samus au petit-déj, de toute façon. Mais attention, cette Samus se défend. Et voilà, alors effectivement, le up throw tue pas à 20%, voilà, petite astuce. Mais c'est bien peut-être. Écoute, il y avait un bug sur Smash Wii U qui faisait que des fois le up B tuait à 0% de Samus, donc. Oh non, le up B beaucoup trop tôt, quel dommage. Quel dommage. Quelle erreur. Beau match en tout cas. Bon match. Dans l'autre arène, encore une égalité, Bulbuel et RGT égalité. Oh, mais RGT qui les failles de RGT qui ressortent. Ah oui. RGT qui... C'est bien, ou alors tout simplement c'est le niveau de nos combattants qui augmente avec le temps. Hein. Tout à fait, c'est peut-être brave, c'est vrai, on a peut-être le niveau de NG qui augmente, peut-être. On sait qu'on a des... On va dire que c'est grâce à nous. Et c'est grâce à nous. On motive la communauté. Ouais, ah là là. On prend tout le crédit, c'est nous. NG pourra nous remercier. Et le match retour, on est parti. Je pense que Nintendo pourra nous remercier. Je suis pas sûr. Pokémon Stadium en mode Battlefield, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas mis les stages en aléatoire. Mais pour les éliminatoires. Non, ah, dommage. Il faut savoir qu'effectivement, quand on fait une attaque près du ledge, le perso ne rattrapera pas le ledge. Et oui, il est dans l'animation d'attaque. Oui. Du coup, il ne s'arrêtera pas pour attraper le ledge. Attention sauf à ça. Sauf certaines attaques en particulier, mais bon, c'est... Plus que d'autres, mais bon. C'est très rien. Oh, magnifique spot dodge de Link. Alors, spot dodge et tout spot dodge. Oui, c'est un petit peu trop, mais... Oh, S-Smash, il a l'avantage, donc qui de dire que c'est trop. Qui c'est... Oh, c'est bon, oui, c'est bon. Ben Sub, j'espère qu'il arrive à remonter. Link qui cherche son... Oh, magnifique. Qui cherche son downer magnifique. Sur F-Tilt. Le grab qui ne passe pas. Oh, le F-Smash de Link qui passe, qui commence à faire des projectiles. La Samus se fait agresser de toutes parts. Samus met la distance. Oh, magnifique. Up throw de la Samus. Oh, le F-Smash, le F-Smash de Link qui... passe, mais qui ne tue pas, Up B qui ne connecte pas. Oh, le Up-Smash qui passe. Le Up-Smash encore cette fois qui tue. Dernier stock de Ben. Ben qui une dash attack. Oh, le grab qui rate, petit smash comme ça, Link. La bombe qui se renvoie contre lui. Link qui n'est pas du tout intimidé par le pseudo de Ben Swell d'ailleurs. Il a l'habitude de... d'avoir à gérer les bennes. En tout cas, bref, on continue. Ah, magnifique. F-Smash qui ne passe pas. F-Tilt par contre qui passe. Oh, le B qui devrait tuer. Oui, passe, oui, ça tue. Bravo. Merci. J'ai pris cher. Bravo. Bravo.
Félicitations. Link se défend bec et ongles, bravo. Mais Ben Swab qui n'a pas démordu quand même, bravo Ben Swab. Bravo, ah, t'es bien défendu. Je m'active. Quelques... Ah, ils sortent. C'est qui ? Eh bien. Ça va être noir contre Link là, non ? Non, c'est moi contre Ben Swab. Ah, autant pour moi. Non, je peux, je vais pas jouer contre noir. Jamais. D'accord, c'est un moment si tu vas jouer contre moi. Jamais, ever, ever. Nous sommes partis. En vrai, je pense que tu peux rester, Link. Il n'y a pas de l'alarme et tout cela, parce que j'ai jamais que tu restes. Il n'y a pas de l'alarme, vous avez des bonnes connexions. Oui, on peut rester. C'est pendant les finales, par contre, là, on vous demandera vraiment, mais là, pour le. Comme ça, vous achetez au stream en même temps. Il n'y a pas de malaise. Revenez, revenez. Ça vous fera trop d'attente à chaque contre. Et du coup, Ben, en bas à droite, t'as bien. Enfin, en stage, t'as bien. Stage aléatoire, pas aléatoire en champ de bataille. Juste aléatoire tout court. Bon, moi je vais regarder parce que aléatoire, j'ai... CB, c'est pas... Ah, c'est champ de bataille justement, il faut que tu mettes juste aléatoire. Ah, ça y est, j'ai mis. Merci. Parfait. On attend que Link se mette dans les gradins et on est parti pour Noir versus Ben Swab. Et on a Chrome, Chrome qui est un des personnages préférés de Noir. Ah, donc là c'est... Ouh. C'est parti. Chrome épéiste qui a peut-être quand même un petit malus contre Samus. Oh non. Le projectif de Samus qui va devoir. Non, pas du tout, très bien. C'est dans le dim. Oui, c'est dans le dim, je fais confiance. C'est un chargeur pour la caméra, mais sinon, on va mettre un gros vent. Il n'y a pas de soucis. Hop là, effectivement, voilà Noir qui va jongler avec, avec la Samus. Et le pauvre Samus qui, voilà, qui va dingue. Pas de dodge. Ah, ça me dit qu'il va passer une dash attack, juste un head smash. Il fait au moins une fois. Le. C'est déjà bien. On prend les petites victoires que la vie nous offre. Exactement. Mais pas... on se laisse pas démonter, Samus. On se laisse pas démonter. On fait de son mieux. On continue. Ah. Oh, down tilt de Samus qui passe. Dash attack qui passe pas. Ah, le head smash. Oh, de oh ça c'est un pas. Coup d'épée pas beau ça. C'est, on essaie d'être partial, important. Imparcial, plutôt pas partial. On essaie d'être impartial, c'est important. Le set B de Chrome qui passe, plus le neutral B qui passe. Deuxième neutral B qui ne passe pas. Belle esquive. Et le set B, cette fois, qui passe, encore une fois. Le set B, il traverse le shield ou alors c'est juste Samus qui avait enlevé son shield? Non, c'est Samus qui avait enlevé son shield. Up tilt, to 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 up air, to up air, to up air. On connaît tout ça, on est tous passés par là. F tilt, oh, F tilt de Samus aussi qui passe. Le contre de Chrome. Ah, F tilt, magnifique air dodge qui permet d'esquiver, la roulade, le F tilt qui passe sur la Samus et le back air qui tue, ou à eux faire, je sais pas si non, c'est un back air. Un back air, il se retourne. Ah, il se retourne quand il y a un back air. Beau match. Et voilà, effectivement. Rapide, mais beau. Voilà, rapide, mais voilà, Samus s'est défendu comme toi, mais effectivement, forcément, l'expérience paye. Et l'expérience de Noir. Et comment Samus, elle applaudit quand même. Elle tape petit coup sur son blaster. C'est ça, elle tape son canon. La base. Je suis qu'une main. Et on est parti pour le match retour. Est-ce que Samus va faire un retour triomphal? Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être qu'elle est maintenant allue totalement dans le jeu de Chrome. Est-ce que ce sera Samus Return ou Return of Samus? Le Return of Samus. On va couper un petit peu dash attack, un petit type de grab qui ne passe pas. Ah, deuxième grab par contre qui passe, un pair. Oh, spot dodge de Samus, mais Chrome arrive quand même à trouver la faille et attaquer. Contre le compte qui a insta-kill, le compte qui... Je sais pas ce que t'as contré, mais ça fait vachement mal. Je crois que c'était sans projectile chargé. Mais oui, c'est ça. Ah, c'était le projectile, d'accord. Ça lui a renvoyé le projectile. Bah ça a pas renvoyé le projectile, mais... Non, ça renvoie pas... Non, en fait, il a fait la... comme il a encore, il a fait une mission du contre et ça a touché quand même, en fait. Ah, ça quand même, ok, c'est... Parce que, ouais, j'ai cru que c'était contre. Ouais, j'ai cru que c'était un missile, j'étais... C'est pas possible que ça fasse autant de dégâts. Non. C'est pour ça que j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Petit coup d'épaule de Samus.
Dash attack de Samus, petit coup d'épaule, petit coup d'épaulette. Allez, les épaules rembourrées. Samus est un rugbyman confirmé. Allez, appuie-toi, pile-toi, aperçois père. Hop. Ah, le upbeat qui ne. Cette vie qui ne passe pas. C'est pas grave, on ne se décourage pas, Ben Swap, tu ne te décourages pas. Voilà. Le... C'est bien ça, Don't Tilt qui passe, un petit fer qui envoie la Samus. Et le Sadby qui tue, voilà, expéditif. Rapide, encore une fois, ce n'est que le manque d'expérience, c'était normal quand on a 30 joueurs qui les en fait, forcément. Ouais, mais c'était une belle défense, il y a eu des beaux coups. Effectivement, bravo à Noir qui maîtrise son chrome. Clairement, ouais. Coups, Félicitations, Noir. Félicitations. Bravo. Bravo, un grand bravo. Alors à côté, on a Chris Peach qui a battu 2-0 d'Amnes. Ouh, bravo Chris Peach. Hop, hop, hop. Pardon, pardon. Hop. Ce tournoi qui nous entraîne à jouer contre les Samus. On apprécie. On apprécie maintenant, on peut les gérer. Maintenant on a Ben contre Georges Amic. Allons-y, Georges Amic. Tu peux rester en spectateur Oui, tu peux, bien sûr. Ouais, okay. Reste en spectateur. Il n'y a pas de problème. Moi je sens pas de lag donc. Non. C'est parti, petite Samus. Un petit combat de projectiles. Avec nous, Georges Amic. On t'entend pas. Il est pas avec nous, il est avec Gara et d'autres personnes. À rigoler. Je voulais poser des questions, c'est quoi qu'ils font hein. Ah. Oh, mais. Et. C'est... Le chat, c'est mon siège, ça. Je voulais faire fouiller un peu. Mais non, mais c'est ça pour commence, savoir si c'est contre une IRL officielle ou pas. Il a parlé d'IRL, donc. Oh. Oh non, comme c'est dommage. Dommage. Il a dû aller trop loin. Bon, peut-être qu'il n'a pas vu qu'il n'y a pas de double sauce. C'est pas très bien c'est passé. Ou alors il était en train de boire sa bière. On ne sait pas. Une grave erreur. Vous inquiétez pas, il est majeur, genre, hein, pas de soucis, pas de malaise. Bien sûr, il... Oh, le up smash qui attrape. Le up B qui chasse, mais qui ne trouve pas. Les plateformes qui s'enfuient, ça c'est un stage légal, les plateformes qui s'en vont. Oui. Wow. Et la fusée. La fusée ah, qui tue, tu l'as tapé avec ta tête parce que tu t'es tapé avec ton éclair, cool. Tout à fait. Mm-hmm. Très puissant de la tuer. Il a tué qui a décidé de tuer sur un coup de tête. Il a de l'ami que te laisse pas faire. Bombe sur sa tête. C'est ça. Les Samus ont du mal. B, un petit coup de Varia, c'est très bien. Des bombes, c'est parfait. Petit coup de Varia. Les vrais termes qui passent. Beaucoup d'aériens de la part de Ness. Hein. Oh, le B qui prend le retour de sauve. Oh, oh, oh. Hop, le smash qui a fait un petit coup. Oh, Samus serait revenu. Ah, le backer qui tue. Enfin, voilà. Bon. J'arrête. J'allais dire qu'il met en mauvaise posture. Qui... Non, qui tue. Qui met en très mauvaise posture. Du coup. Allons-y pour le match. Retour. Fight me, chachame. C'est parti pour Return of Samus, encore une fois. Return of Samus, Other M. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans Other M, si on met le M au début, ça fait Mother. Intéressant. Tu vas nous en parler tout le temps. C'est peut-être un rapport avec un élément important de l'histoire du jeu, mais je vais pas en dire plus parce que je veux pas vous spoiler cet affreux jeu. Attention. Je ne vous spoil pas ce jeu immonde. Je pense qu'au contraire, on devrait spoiler ce jeu parce que vu qu'il est pas très bien. Oui, voilà, en fait, du coup, le plot twist, c'est que l'un des personnages. Oui, bah, peut-être des gens qui. Mais non, on ne. Bah oui, non, on ne spoil pas, surtout pas en Twitch. Ah oui, on ne spoil pas un jeu qui date d'il y a 12 ans et que personne ne jouera jamais. Eh, on m'a engueulé quand j'ai spoilé Link's Awakening. Ah, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai précisé aussi un jeu auquel les gens joueront jamais. Link's Awakening, les gens y joueront encore dans 10 ans en Mother M. Surtout qu'ils viennent de ressortir le remake, donc tandis qu'Other M, est-ce qu'on a un remake Other M. Non. J'espère qu'on en aura jamais. Je sais pas. Non. Ce serait la pire décision commerciale au monde, quoi.
Il veut peut-être le refaire, il sera bien satisfait. Ah, il faut refaire tout le jeu. Le problème, c'est la structure du jeu, donc, et l'histoire. Et le développement des personnages. Peut-être que c'est pour ça qu'il galère à sortir le nouveau Metroid, parce que c'est un remake de Other M, il n'arrive pas à la rendre bien. Tais-toi. Tout s'explique. Metroid Prime 4 Other M confirmed. C'est ça, théorie. Oh, le B qui touche. Le B qui tue. Qui touche, qui touche, qui tue. À côté, et si on a... si on faisait un tournoi Smash avec... Comme règle, Ness n'a pas le droit d'utiliser son éclair. RGT qui a 2-0, RGT qui a battu Chris Peach à côté. Ah, bravo RGT. Bravo RGT qui a sûrement battu une Peach ou un autre personnage mystérieux. Tentative de downer, je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver. C'était bien sauvé ça, Jada, vas-y, punis-le, des missiles dans sa face. Ah oui, oui, ah, oui. Un Kamehameha esquivé, c'est pas grave, ça revient. Les enfants comme ça, ça a besoin d'une bonne discipline. Mais attention, je ne suis absolument contre la violence sur les enfants, c'est vraiment parce que c'est un enfant virtuel et qu'il est malade. Il est malade avec cette perceuse là, il ne va pas bien. Pourquoi il est malade melon, là. Non mais quand je dis malade, c'était pas genre il a une maladie, mais genre... Il est... Taré quoi. Il va pas bien quoi. Il va pas bien. Je sais pas, je suis pas sûr. Il a dans Smash Bros, c'est un enfant à problème. Oh, bien esquivé le flash. La DCT qui ne tue pas, Samus est quand même assez lourd, rappelons que Samus est plus lourd que Ridley for some reason. C'est vrai? Oui, dans Smash Bros, Samus est plus lourd que Ridley. Mais Ridley est 10 fois plus grand que... Oui, bah c'est peut-être son défaut principal au personnage, hein. C'est peut-être pour ça qu'il est nul. Il est grand et léger. Un petit missile, un Kamehameha qui se prépare. Oh, attention à la torche, il n'y a pas eu de batte de sortie mais ça aurait pu. Et puis les petites étincelles de Ness qui restent toujours désagréables. C'est une Magical Girl en fait, Ness. Ness la Magical Girl. Absolument. C'est un peu ça, avec toutes les étincelles qu'il fait, oui, j'ai l'impression j'ai l'impression de lire un épisode du manga Sailor Moon, tu sais. où il n'y a jamais de fond, il n'y a que des étincelles tout le temps à l'arrière, là, des sparklings. Je suis Sailor Ness. Je suis fastidieux, qu'est-ce qu'il y a. Oh, Sailor Honnête. Ah, le père qui attrape le saut, voilà, on a vu que, on a vu sur le visage de Ness la détermination. Ah non. Là, venez le dessus. Bien défendu. Félicitations. Bien joué, Jean-Amique. C'est beau jeu sans âme de Ness. Tu t'es aussi bien défendu que tu as pu contre cet enfant démon. Non, c'est un cancer, cet enfant. Non, non, ouais, on est d'accord. Alors, on a dit qu'il était malade en même temps. Non, j'ai mal joué au début, je suis désolé. J'ai pas trop l'habitude de... Du calme, enfant démon. Enfant démon, il te veut aucun mal. Maintenant, c'est Ven contre Ben Sweb pour notre avant-dernier match. Ah, la deuxième Samus, c'est parti. Oui. The other Samus. Tu peux revenir dans les gradins, Samus. Ven qui continue son marathon à Samus. C'est parti. On mange au petit-déj. J'ai mangé un cake au citron au petit-déj ce matin, d'ailleurs, c'était promis. Au petit-déj, c'est ce que je peux dire. C'est passionnant, Kronk. Il était très beau, voilà. Mais pourquoi tu as installé ce levier? Le public aimerait son commentaire, Kronk. Je vais pas commenter mon propre match. Ah oui, c'est vrai, tu joues. Kronk, le public, bah oui, voudrait son commentaire. Ah oui. Ah, donc on a... Référence à Cusco, contre notre Samus, oui, Cusco, très bon personnage Nintendo. Oui. Le Pair into le Up B, ouais, ça tue parce que Samus était très haut, hein, et parce que Ness est un personnage un peu spécial. Dans l'écran, comme si c'était dans un Tortue Ninja. Ness est un perso un peu spécial. Avec un esprit malade. Oui, alors le Up Pair pour pouvoir jongler avec, alors Ven il aime pas du tout qu'on jongle contre lui, par contre il le fait sans problème avec les autres. Hein. Ouais, y a pas... Non, moi on ne jongle pas, mais je serai un jungler. Un jungler. Voilà, Ness Jungle, nouvelle méta. Essayez-le. Nouvelle méta, Ness Jungle. L'essayer, bon, c'est bien joué, ça. Oh, bien, la petite dash attack. Oh, le... Ah, c'est vraiment dommage, ah, c'était super bizarre. Ça peut expulser, ça aurait pu tuer, oui. 80% c'est un peu... Mais ça aurait pu. Ness est assez léger. Je reviendrai. Ça m'énerve quand tu fais air dodge. Ça. Non, oui. En vrai, il faut pas air dodge, c'est encore pire, tu peux en mettre un deuxième. Surtout l'air dodge de Samus.
Ouais, moi aussi, le Erdos, j'ai pas réussi avec, Avec Samus, pour atterrir, il faut que tu utilises tes petites bombes là vers le bas pour être un peu plus difficile à prédire. Oui. D'accord, je comprends. Samus a vraiment pas de très bons coups pour contrer cette horreur là. Ouais, donc, faut que tu sois plus dur à prédire avec la grosse boule d'électricité qui vient vers toi. Y a aucun aérien qui va vraiment. qui a une hitbox d'une explosion, mais bon, ça va pas, c'est pas grave. Non, oui, bien joué. Enfin, j'ai dit oui, bien joué, bravo. Non, oui. je voulais le placer. Félicitations. Merci. Bravo, Benson. On a apprécié la part que ça a été tragique. Non. Je suis vraiment brisé. Non. Oui, bravo. Je sais pas. C'est pas si Mister. J'applaudis. Allez. J'applaudis de deux mains. J'applaudis de ma main et de mon canon. Après, Samus a affronté des créatures quand même beaucoup plus terrifiantes que Ness jusqu'à présent, donc je pense qu'elle peut s'en sortir. Oh, qu'un enfant avec l'intention de la tête comme ça, là, Des créatures. C'est des créatures avec une sale gueule, mais ils ont pas un piqué éclair. Ah oui, mais il y a quand même un crocodile obèse qui balance des genres d'ongles pique de son ventre. C'est quand même un peu spécial. Ah oui, mais il fait juste ça, il bouge pas, il reste là à se faire taper. Non, il donne aussi des petits coups de griffes et il fait. À côté, t'as un Ness qui saute partout là, qui fait ses petites étincelles, voilà quoi. Eh bien, elle affrontait aussi un fantôme. Oh non. Non. Oui, bien joué. C'est vraiment dommage, mais c'est bien joué de la part de Ness d'avoir encore une fois attrapé la Air Dodge. Le gros tour du combo, Si mal que ça son truc, comment dégage déjà. Ah, surtout au corps à corps, il fait très très mal si je touche directement. Le HB de Ness a à peu près 5 hitbox différentes. Oh, le rattrapage. Ouf, attention. Oh, le yo-yo qui revient. Ah, belle tentative de F-Smash, mais malheureusement c'était du mauvais côté. Hélas. Je pense que Ness, avec sa grosse tête et ses yeux un peu plats, il a du mal à voir sur les côtés. Ah, c'était bien joué. Beau F-Smash. Aucune vision périphérique. Non, t'en fais pas, Ben. C'est vraiment difficile à gérer, le Ben. Oui, c'est... Non, ah bah il est bon. Personnage. Il gère son S. Il est là, en fait, sur le Discord. J'ai besoin de m'entraîner, mais non, pas du tout. Si, j'avais besoin de m'entraîner. Écoute, je suis loin d'être au top niveau, et je trouve que je suis loin de mon niveau d'avant, quand même. Et bravo, beaucoup. Allez, Link, c'est à nous deux. C'est parti, le dernier match. Franchement. Mais bravo, toi aussi. J'admire. J'aime beaucoup, c'est bon joueur. Ouais, que toi, moi j'aime pas du tout. Quelqu'un enfin d'apprécier ma juste valeur, ça fait plaisir. C'est parti. Sérieux, toi là. Non, je suis pas contre Wolf. Ah oui. Non. C'est pas trop Wolf, non. Ah oui. J'ai cru voir Wolf. Ah oui, effectivement, Dark Samus. C'est parti, encore une Samus. Un peu plus sombre, c'est pas un peu plus dark, un peu plus noir. Il y a la troisième personne. Dash Attack qui passe. Salvi, qui est shield, en enchaîne sur un jab qui passe aussi. Il tente les contres. Ah, est-ce que c'est Samus qui enchaîne, voilà. Oh non. Pas trop à toi faire. J'ai fait une air dodge. Une air dodge, voilà, qui offre beaucoup de lag et du coup, c'est dur de revenir après. Une air dodge, hélas. Un petit F-Smash de Link qui contient avec des projectiles. Oh, le F-Smash qui passe, Abid dans le vide, qui sera puni par Upper mais qui ne connectera pas jusqu'au bout. Le grab. Down throw, tout faire, tout notre ami qui passe pas par contre. Le ST qui passe, encore un ST qui passe, la boule déviée, esquive de Link, mais spot dodge de la Samus qui esquive le grab du coup. La dash attack qui passe. Le down air de Link qui ne passe pas, qui a fait le shield, le grab de Samus qui passe sur un back throw qui explose Link qui revient. Samus a le temps de faire sa boule en attendant. J'ai trop d'informations à dire, jouez moi vite s'il vous plaît. Hop, le grab qui passe, Link arrive à revenir quand même, suivi par une get up attack qui va passer, la flèche qui passe aussi, le fer qui passe, pas mal, pas mal.
Samus qui revient sans grande difficulté. Hop, le spot dodge qui est puni par un jab. Ça passe, le retour d'une get-up attack. Le, putain, ce, la portée de ce grab est ouf. Grab qui passe, Link qui esquive, attention, ça va être puni, voilà, dash attack, Link qui meurt, hélas. Il n'a pas rattrapé la ledge. Hop là, esquive de Link de, du throw, on a bon, pas mieux. Un forward throw. Ouais, y'a pas de chose, deuxième. Voilà, ensuite, un back throw. Hop, ah, le upper qui envoie 20 dingues à Samus qui permet à Link de remonter. Samus qui revient sur le terrain. Encore une fois, up B qui passe. Oh. Et la dash attack qui tue. Link qui a esquivé la gueule d'attaque qui enfonce la dash attack qui tue. Ça se défend bien, ça se défend bien, mais Samus est loin d'avoir dit son... Enfin, Dark Samus, pardon, loin d'avoir dit son dernier mot. Ah oui, c'est pas du tout le même personnage. Une armure sans Samus, oui. Armure sans Samus, qui voilà, back throw, tout. C'est pas une Samus sans armure, c'est une armure sans Samus. C'est ça. Ah bah, Dark Samus, c'est ça, c'est l'armure sans Samus. Et là, ah oui, d'accord, magnifique. C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est l'armure sans Samus. Je le voyais pas comme ça. le fer qui passe et qui tue, bravo. Mais attention, c'est peut-être Samus. Du spoiler de Metroid Prime, donc. Metroid Prime 2, ah, bah, un ça, petit par peu, contre, bon, ça par contre, c'est non, ma faute si j'ai pas joué. Ça par contre, on va pas le spoiler. Désolé. Bulboel qui a battu Monsieur Saturne à côté. Oh, bravo Bulboel, Bulboel qui s'en sort bien là. Ah oui, Bulboel, oui, il Batrou qui a l'avantage. Ouais. Maintenant. Je bravo, bravo. Attends, on va voir un petit... Actuellement, oui, Bulboel a l'avantage pour l'instant. Et ben, il peut pas être rattrapé par RGT, donc il va être premier de son groupe normalement. Alors attends, bravo. Parce que je voulais changer de personnage. Ah. Samus est marrant, mais deux secondes. Enfin, Dark Samus, pardon, Dark Samus. Il dit ça en face de deux Samus, ça fait toujours plaisir. Ah non, mais pour moi, mais... Merci pour votre participation. Faut savoir, c'est quand même un de mes personnages les plus... c'est quand même un de mes personnages les plus joués, donc... Ah oui. Et en bah, plus, tiens, il est pas original. Maintenant. Ah bah tiens, Ridley. Alors, Link aura peut-être l'avantage. Courage, Ridley est grand et léger, facile à toucher et quand même facile à expulser. Oui, mais c'est moi. Moi, je touche pas. Moi, je ne veux pas entendre « c'est moi ». Je veux entendre « je vais te défoncer sa race ». Hop là, Ridley qui enchaîne un petit fer. Ah, t'as fait de l'autre bit qui est dans le mauvais sens. Cette bit qui ne passe pas. Deuxième cette bit qui passe cette fois. On a notre bit qui charge, Link qui esquive par au-dessus, Link qui se fait avoir par un... Je crois que c'est un dumb tip, c'est pas sûr. Jab qui passe, le boomerang qui passe. Oh, le up smash qui passe. Il est aussi grand ce personnage. Qui passe. Au secours. Passe. Pauvre, pauvre Redley qui se prend tous les coups. Ah, le fer qui passe, le service qui ne passe pas par contre. Mais pourquoi il... Et le up smash qui passe. C'est quoi cette... Tu touches ton ongle là. Tu touches ta griffe. Ah bah oui. Là. Et voilà, Redley qui se fait expulser à l'autre bout du terrain. Hop, up B de Redley qui rate. Ridley. Redley qui tente des coups mais qui se fait punir par la ligne à chaque fois, le boomerang qui passe, le sphère. Oh, magnifique F-Smash qui tue. Link qui est vénère, qui cherche un F-Smash qui ne tapera pas, par une grab to F Pro, ça passe. Le get-up attack qui passe, suivi par un side B. Le backer qui passe, puis un fer, Link essaie de revenir comme il peut, up B qui passe qui permet de revenir sur le terrain. Un smash qui ne passe pas, back, puni par un back air. Le up smash du Radek qui passe pas, dash attack je crois que cette fois. Mais... Et le up smash qui tue. Qui tue. Mais Link est loin d'avoir descendu en niveau. C'est, je le sens, c'est fou de toi. Hop là, t'as un kiff de. D'un trop toi. Faire qui va passer. Ensuite, on a 7 bits qui passent, Link qui revient sur le terrain. Link qui essaie de se rapprocher, d'espérer de se trouver une faille là, mais. Ah, tiens, le up smash qui n'a touché qu'une fois. C'est up air qui est passé. Up smash qui passe un peu mieux cette fois. Up B qui ne passe pas. Noir qui tente un S smash qui ne va pas passer. Ah, le nerf. Enfin, Link roule. Link essaie de trouver un peu la faille. Link fait avec le projectile. Mais ça ne suffit pas. Et le S smash qui ne tue pas. Link qui revient sur le terrain. Oui, c'est bon, il revient. C'est pas fini, le side B qui cette fois risque d'être mortel, mais ouais. Non, Link qui... Le fer qui tue cette fois par contre, beaucoup trop de suspense.
beaucoup de il faut avouer qu'il y a eu deux exécutions qui ont étonnamment pas qui m'ont pas oui. Tu as un DI très bien, tu as une très bonne DI. Bien joué. Oui. Et tu es revenu. Bravo à. Non, j'aurais dû mieux m'en sortir ce combat. Oh, c'est pas. Adam connaît Linderia Rizet, pas non plus un perso qu'il ne connaît pas du tout. Non, c'était beau match. Mais Adam, effectivement, a pris la main. Et... Bravo, Adam. Félicitations pour ce match. Bravo, Noir. On est en avance sur l'autre groupe, je pense qu'on peut, au lieu de faire par Lévi, on peut faire un dernier match, Ben, vu qu'on a égalité. Faisons ça, très bien, faisons ça. On est en avance de combien sur l'autre groupe? Ils sont en train de faire un match et ils en ont encore un peu. On va faire un combat. Va. Et ben on vous refait du Ven contre Noir pour nous départager de l'égalité qu'on a eue. Hop, et on est reparti. Et après, c'est les premiers de chaque poule qui s'accombent. Non, c'est 1, 2, 3. Les 3 premiers qui passent à la phase d'après. Hop là, désolé, on commentera pas parce qu'on est concentré. Ah bon. C'est pas moi. Je joue les yeux fermés. T'es pas concentré? Oh non. Ah. Je fais mon nœud pour être un adversaire honorable. Pas suffisant, kilo. Ah, le down smash. C'est le même bruit que lui, c'est marrant. Tu ne peux rien faire. Hein? Lui aussi, il fait ah quand il le fait. Il la rend noir. Pas un smash qui passe, qui tue. Dash attaque. Ouh! Backer qui tue. Rien n'est joué. Même si Wolf a une vie d'avance, tout peut arriver. Je sais pas si je bugue ou si personne ne parle. Personne ne parle. D'accord, personne ne parle, très bien. La tension. N'hésitez pas à raconter des choses pour la caméra, vraiment. Comment ça va les autres? Comment allez-vous? Ça va. Et vous? Est-ce que vous passez... Ça va. Est-ce que vous passez un bon déconfinement? Ah oui, un bon déconfinement. Ouais. Je veux savoir par rapport au tournoi. Mais... Putain, je m'en pas de fou. Bon. You're for real. Bien joué. You're for real. Bien joué. Tu prends cette première place. Oui. Mais ce n'est que partie remise. Ah, ce n'est que partie remise, effectivement. Parce que j'estime être le deuxième de la poule. Donc, on va avoir ma place dans les côtes d'après. Hop là. J'ai jamais quitté l'arène. Est-ce que j'ai jamais quitté encore avec nous en vocal? Est-ce que j'ai jamais quitté finir cette soirée c'est pas ça qui était. Est-ce que j'avais vu? Non. Bon. Entertainons les gens en attendant. Entertainons les gens. Bah, est-ce que les gens veulent jouer? Est-ce que vous voulez faire un 2v2 Ouais, un 2v2 ou des choses comme ça. Moi, je suis content. Comme vous le voulez, vous avez déjà fini? Oui.
C'était juste un combat en soi. Oui, on a fait qu'un match. Moi non, parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Et c'est qui a gagné? Ok. C'est moi. Ah, t'as pas beaucoup de réseau? C'est Jérémy qui a pas beaucoup de réseau? Oui. Ok, ça marche. Est-ce que Ben Swab vient faire du 2v2 avec nous? Oui, bien sûr. En attendant. Attention, il y a les coups sur les alliés, donc... Tapez oui, attention, si vous êtes avec Ven, tapez-le. Non. C'est toi qui es avec moi, Noir. Je me tape. Attends, non, vas-y, Ben. Je fais CV, comme ça je serai pas avec Noir. Oh, waouh. Il me fuit. Il me suit. C'est parti. Deux grandes mascottes de Nintendo et aussi et Link deux... et Pikachu. Et deux mascottes et tout Nintendo. Parfait. Deux mascottes Nintendo, et deux importés. Deux mascottes Nintendo, une mascotte Sega et Steve. Et Steve. La mascotte Microsoft. Steve qui n'est même pas la mascotte de son jeu parce que il n'y a pas vraiment de mascotte dans son jeu. C'est ça, ouais. Non. Steve, c'est pas l'Enderman la mascotte de... Enfin non, pas oui, l'Enderman, le Creeper. Mascotte, quoi. C'est un peu ça, la mascotte de... Qui en a quelque chose à faire des personnages dans... Dans Minecraft. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ouf. Attends. C'est moi. Go, je tapais Steve. Go fast. Je tapais Steve, je pouvais pas m'en empêcher. C'était un vive attaque, c'est vrai. J'arrive, je me rappelais plus pourquoi il chargeait comme ça. Vive attaque. Attention. Ah, oh putain, la mine. Le carte est venu sur moi. Voyons, Steve, qu'est-ce que tu fais avec tes petits cubes? Je sais pas. Minecraft. Tu... Ah, j'avais pas eu Pikachu dessus, bravo Pikachu. Et oui, travail d'équipe, j'étais totalement. Volontaire. Oui. Bon, celui-là, je l'ai distrait. Bien sûr, parce que voilà, on rappelle Steve, le personnage de Minecraft. Il craft. Il craft. Il vole. Il vole. Oh non, je suis trompé de coup. Oh new. Non, c'est moi. Ah. J'étais lancé, désolé. C'est pas grave. Laisse-moi tranquille avec ton carte. Merde, j'ai crevé. Ouais, 60% était temps. Pardon. C'est bon. Oh merde. C'est pas grave. Ah, dans son ligne, pardon. Oui. C'est ça qui fait partie du game. Bien joué, Link. Qui joue le perso passionnant online, t'en as de la chance. Ah oui, non, mais je m'amuse. Qu'est-ce que je m'amuse. C'est bon, tout va bien. Tant que tu es en vie, tu es en vie. Oh tu es en vie. C'est grave. T'étais là avec. J'étais pour rien, t'étais là avec Pikachu. C'est la vie. Continue à crafter, s'il te plaît, pendant que je m'occupe de lui. Ah merde, bah désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, continue à crafter. Ou alors, on fait ça aussi, ça me va bien. Ça marche aussi. Ouais, battez-vous. Mais c'est pour renvoyer au combat. Ah, c'est dégueulasse. Oh, mais non, j'ai pas roll, c'est pas vrai. You're rolling. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Ça fait mal, bébé. Crispitch qui a 2-0 Mister Saturn, c'est vraiment serré l'arène d'à côté. C'est... Il est habillé presque pareil. Oh. Incroyable. C'est vrai qu'on a presque déjà dit, c'est sympa. C'est beau. Je crois. On est magnifiquement matché. I guess. Il reste un match, je crois. Et oui, hier j'étais contre Damnes. J'ai une petite idée sur comment le match va se passer. Mais... Oh, oui, mais bon, on sait jamais. Qui sait. Damnes 2-0. Noir ou Ven? Excusez-moi de vous déranger deux secondes. Est-ce que je peux poser une question d'organisation? Ma question est simple, c'est est-ce que je rejoue ou pas? Non. Non, aller, oui, on est d'accord. Tu peux aller profiter de la soirée si tu veux.
Oui, non, c'est... voilà, c'est pas pour vous. C'est juste pour être sûr, parce que j'ai plus de batterie, enfin, plus de batterie bon, pour savoir si je peux couper. Non, ok. Va faire ta vie. Je suis désolé si... Pas de soucis, pas de soucis. Bah, c'était très gentil. Bah, c'est pas et désolé, c'était peu conventionnel, voilà. Ah, au moins, tu... c'est en gentil d'être venu. Et je participerai sûrement à ton tournoi Mario Kart. Ah, oh, c'est gentil. D'ailleurs, je verrai, parce que je pourrais peut-être... Enfin, je verrai aussi streamer avec toi, on verra. Bref, je... Oui, faut d'abord que je joue. À côté. Oui. Ouais, y a pas de souci. Et je suis, n'hésitez pas à me donner des cours de Smash, parce que ça a l'air hyper performant, donc je suis très preneur. D'accord. Ouais, mais y a beaucoup félicitations à tous, c'était très très sympa, merci beaucoup. Attention, Link. Mais merci d'être venu, merci à toi et à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée. Profite bien. Oh, c'était tout qui me tue. Trahison. Disgrâce. Esprit pas souris marqué sur ta face. Aucune excuse. Aucune. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, enfant démon. Un enfant démon? Où ça? Tu as des cheveux blancs, mais ça ne cache pas ton gros front. Oh. Enfin, un petit peu. Comme slime. Oh, pardon. Excuse-moi. Aïe aïe aïe. Ah! Allez, méga lag. Oups. Aïe. Bim. Au revoir, méga homme. Méga homme. Ah oh, bien joué. Et pas moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah, c'était bien. Que tu te dises. Je suis sorti, je suis mort. Oh non. Ah! Ah! Lucarne plein dans mon vide téléviseur. Le cas dans la lucarne. Lucarne plein dans mon téléviseur. Brûlons cet enfant. Non, laissez cet enfant en dehors de ça, s'il vous plaît. En dehors de ça, tu parles du stage? Ça, je peux le faire, si tu veux. Je m'en occupe. Oh, pardon! Oh non! Belle élimination! Je vais te sauver, je t'ai tué! Je vais te sauver, je suis désolé! Un échec. Des dommages collatéraux, c'est pas grave. C'est mignon. Sorry, de toute façon, je vais pas... Pour rester en vie à très longtemps, je pense. Désolé. Attention! Mais ok. Aïe! Attention, dégage. Regarde la grosse boule. Toi. Ah! Il fait mal! Ah! Joué. I'm dead. Bravo, équipe rouge. Bravo, équipe rouge. On les a finis, du coup? Non, il en reste. Ah! Je crois qu'ils viennent de finir. Ils viennent de finir. Ah! Ah, bon, tous les projectiles là, c'est parti dans tous les sens. Pardon, je crois que c'est moi qui t'ai plus tué ici, Ben, je suis désolé. Je crois que tu l'as tué deux fois, oui. Et on a tous les résultats, ça y est. Ouh, bah on peut demander à tout le monde de nous rejoindre, du coup. Oui, j'aurais, je lui ai dit. Et re... Re tout le monde. Il a passé de re à presque tout le monde. A défoncer tout le monde. De quoi? Voilà, c'est Damnes qui ira en finale. La plante s'est bien débrouillée. Ah oui, mais ça, on s'attendait à ce que Damnes soit premier aujourd'hui, on espère. Il a triomphé. Il a fait un score de ouf. Les scores sont envoyés en tout cas. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Du coup, on va pouvoir annoncer.
Ah non, c'est qui passe en phase la phase suivante du coup voilà, dans le groupe dans le groupe A, on peut dire félicitations à Bulboel, RGT et Chris Peach. Malheureusement Mister Saturn et Damnes ne sont pas qualifiés mais ils se sont bien battus. C'était serré de ce que j'ai vu quand même ce groupe. Et de notre côté, c'est Noir, Ven et Link Chaser qui se qualifient et Benswep et Jajamik malheureusement ne sont pas qualifiés pour la phase suivante. Mais encore une fois, c'était vraiment un très beau match. Et la Rage Queen, oui, Damnes. Bien joué, les gars. Damnes a Rage Quit. Non, tu veux dire Jajamik. Il n'a pas Rage Quit. Il n'a pas Rage Quit, mais il est souvent déconnecté. Ah non, je ne m'entendais pas. Ça clignotait en vert, il n'y avait pas de son. Tes connexions sauvages. Toutes les connexions sauvages. Bon, ben. Alors. Ouais, félicitations, même si je sais que les combats étaient truqués, mais bon, bravo. C'était là, bravo. De votre côté aussi, ouais. Ah ouais, donc. C'était truqué, on n'a pas osé le dire. La même chose à chaque tournoi et on se fait toujours avoir. C'est dingue. Et vous continuez de revenir et c'est ça qu'on aime. Du coup, on peut passer en phase de quart de finale avec nos quarts de finalistes. Et le premier match, ce sera Ven contre Chris Peach. Du coup, vous pouvez venir dans mon arène. C'est parti. Alors, ouais, c'est... Le reste, vous pouvez partir, s'il vous plaît. Ah non, il faut remettre les règles normales. Et donc, on rejoint que si on participe au match, j'imagine. Oui. Sauf si tu as envie de commenter, parce que là, je vais être tout seul, sinon... Ah, mais moi, je veux bien, tout à fait. Il faut que je récupère le clé d'accès. Alors, ouais, moi, je vais me mettre aussi, du coup. Je vais vite aux toilettes, je reviens. Ça, c'est le genre d'information essentielle à savoir. surtout en Twitch, oui, merci. C'est clair, surtout sur Twitch. Mais les viewers veulent savoir. Est-ce qu'il a un bon transit ? Savoir tous les détails. Voilà. Non, mais c'est important, voilà. On effectue des fonctions naturelles et il faut l'annoncer, voilà. Raison ce tabou. Nous faisons tous pipi. Ouais, voilà. Chris Peach qui joue Elancia. Et donc le premier match, pardon, donc c'est Chris Peach contre Ven. Ven, c'est Texas. On aura Noir et Bulboel en... Texas, le T était en option. Et donc je rejoins Noir pour commenter ce match magnifique. Du coup ça va être du BO3 il me semble qu'on avait fait, non enfin, ouais. Oui c'est ça, hein. BO3 et BO5 pour la finale. Oui. Donc c'est deux parti. Victoires c'est ça. Pour gagner, c'est ça. Fight. Le premier a deux victoires, c'est... parti, Chris Peach. Et ce n'est, pas une Zelda. Ce n'est pas une Peach du tout. C'était varié un peu. C'était bien Daisy. Oh, no. C'était Daisy. La surprise, on avait eu une Peach tout à l'heure avec Chris Peach, du coup. et finalement, il passe sur une autre princesse. Oh, oui. Mais j'ai confiance en Ven. J'ai confiance aux deux, évidemment. Mais je pense que Ven pourra gérer la Chris Peach. Dans tous les cas, ce sera un match serré. Pourra gérer la Zelda, pas la Chris Peach. Chris Peach n'est pas encore un personnage de Smash. C'est compliqué. On peut s'y perdre très vite, hein, des fois. Mais là, pour l'instant, ça va, ça se cherche un peu. C'est timide. Bon, en même temps, c'est les deux personnages qui veulent ça aussi. Oui, aussi, ouais. C'est très défensif. Ouais. Après, Ness a... plus de possibilités de punir en match, en combat rapproché, tout ça, contrairement à Zelda. Oui. Zelda a quand même des peut être très oppressante avec ses projectiles. Ouais, bah allez. Oh. Bah en fait, sa défense fait vraiment un office d'une très bonne attaque au final. Hein, oui. C'est... Puis si c'est bien timé, elle peut renvoyer les projectiles. Ness aussi, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Avec sa batte. Mais il peut renvoyer des Zelda. Ouais, il peut renvoyer des Zelda. Donc, les projectiles, c'est compliqué, mais les Zelda. Zelda. Oh. Oui. Putain, une petite avance pour Nest. Oui. Une stock d'avance, mais il est à 100%, donc on va voir combien de pourcentage il peut ramasser. Oui, là c'est du grattage. Ça se passe plutôt bien. Et Chris qui lâche pas l'affaire quand même. Ven au dernier tournoi a été traumatisé par Mika Basque, donc je pense que c'est un match-up, match-up qu'il a préparé mentalement. Oui, il s'est bien reposé justement pour pouvoir affronter à nouveau une Zelda. Là, il faut du repos. Le repos du gagnant, peut-être. peut-être. Hein. On voit quand même Chris Peach qui revient bien. Là, on fait de nouveau assez serré. Ouais, mais de deux côtés ça tient bien. Hein, ouais. Le heal, attention, voilà.
Peut-être que Ness ne veut pas renvoyer, mais bon, il peut aussi absorber le side B de Zelda. Mais peut-il absorber un gardien, je ne sais pas, mais il peut passer à travers en tout cas. Je sais pas comment t'as fait pour passer au travers, mais c'était bien joué. Il a utilisé Ness privilège. Ness privilège. Il n'y a pas de privilège Ness. Stop. C'est que du talent, on va le dire. Exactement. Voilà. Exactement. Ah, ce yo-yo qui passe pas loin. On a même un Milobelus qui vous admire en arrière-plan, plutôt sympathique. Je pense que si Zelda était une dresseuse de Pokémon, elle aurait sûrement un Milobelus dans son équipe. Je pense, oui. Ça lui va bien. Ça fait très Pokémon de princesse, oui. Quand même, faut le dire. Ah, la chatte qui ne passe pas. Sans vouloir stéréotyper un Pokémon, hein, bien évidemment. Oui, non. C'est aussi un Pokémon de prince, hein, aussi. Oui. Voilà. Une nouvelle vie de prix par Ven, qui crée un écart un peu plus important, parce qu'il a juste 50% pour l'instant, même si ça reste un personnage léger, il peut sortir vite. Il revient pas, combo, effectivement. Le stress, ça c'est le stress qui a fait... Aïe. La pression que menace, c'est... C'était bien joué, pourtant oui, t'avais bien mis une bonne pression sur Ven. On sentait bien qu'il était pas totalement rassuré, il était un peu plus... prudent, Ven. Je vais changer de perso. Ça va. Ouh, va-t-il donc sortir la Daisy? Non, mais c'est vrai qu'en plus, comme c'est jamais joué contre lui, ouais, j'ai pris le temps de... D'analyser. Un peu, quoi. Oui, mais c'était bien joué, c'était bien pensé. Et bien maintenant, j'ai tout parce qu'il change de personnage, donc... Ton analyse est inutile. On a Chris Peach sur Peach. Une Peach cette fois-ci. Alors, la Peach qu'on a vue tout à l'heure, elle est impressionnante. On l'a vue tout à l'heure. Il y avait du déplacement aérien qui était quand même pas mal, du snipage. Oh, ça commence tout de suite avec un Stitch, et voilà, 40%. Oh, 85%. Oh, voilà. Il a commencé direct avec un Stitch. Il a sorti le légume qu'il fallait, qui a fait les dégâts. C'est le légume le plus fort de Peach. Et alors là, c'était magnifique l'enchaînement dès le départ. C'est voilà, je suis Peach. Moi je sais que Chris Peach est très bon avec Peach parce que je me rappelle qu'on avait fait une finale sur Mario Tennis Ace Peach contre Peach. C'était vraiment. Ah oui! C'est quoi ce perso cheaté? Non, c'est Chris Peach, voilà. Voilà. Hein. Tu n'as pas à être humble, tu contrôles très bien ta Peach. Peach est un personnage technical. Oui. Qui est une fois utilisé. En tant qu'on n'en a pas entendu parler. Hein. Oui. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le jeu que tout le monde a acheté et que tout le monde a oublié. Ah, moi j'aime bien, si juste personne n'y joue. De temps en temps. Oui, c'est ça. Le jeu est pas mauvais. Hein. Il a pas une rejouabilité de même... ouf. Et quand il est sorti, l'équilibre était compliqué. Oh, bien tenté. Ah oui, c'était tout joué, c'était très bien joué. Bon, on voit que donc, quand même depuis le combo du début, là, Ness est quand même bien revenu. Il fait attention. Oui. Je pense qu'il a lu un peu... Il a senti qu'il y avait... quelque chose qui se passait, peut-être, qui était différent. Il s'est renseigné sur les différents types de légumes. Ah, le public, elle est quand même lourde. Donc désolé, Peach, mais elle vole très difficilement. Est-ce qu'elle est plus lourde que Ridley? Oui, je pense pas. Ah, alors là on avait un légume, c'était le Dot, le Dot c'est le deuxième plus fort après le Stitch. Hein. Celui avec les deux points dans les yeux. Oh, joli combo. Waouh. Oh, voilà. Peach c'est vraiment un personnage qui a beaucoup de combos grâce à sa mobilité aérienne impressionnante, ses aériales qui ont assez peu de lag. Ça punit bien. Ouf. L'enchaînement de Ven. Très risqué de d'air dodge avec Peach de manière générale, mais bon, là c'était près de l'edge donc il n'y a pas beaucoup de risques. Même pour Ness en général. Hein, oui, les deux. Bah, Mister Saturn, merci à toi. Oh, what the fuck! Il a tiré une bombe et ça a fait exploser! Mais non! Ah, j'ai pas vu non. Ça. On a eu une sortie de bombe et on a même pas pu en profiter. Ah là c'est... Ah, j'en ai profité, oui. Ah oui, pour le coup. C'était parfait, hein. Parce que t'as envoyé un piqué fire et ça a allumé la bombe, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme si Ness avait besoin d'être plus toxique. C'est un coup de pas de chance, pour le coup. Comme quoi, tout à l'heure, pareil, on disait la chance est importante. Peach give us and Peach take us. Il te faut 5 fruits et légumes par jour, Ness.
Mais attention, 5 navets, ça compte pas vraiment. Donc ça fait l'équivalent de, je sais pas... Ah oui, je viens de le voir du coup, rajouté sur le fils, c'est vraiment ridicule quoi. Un navet, un radis, c'est une bombe. Tellement pas de chance. Ah ouais, pas de chance du tout. On avait un... Oh non, oh, j'ai eu peur. Une bombe de fibre. Il met la pression, Ben. Oh, ah oui, là-bas, c'est compliqué là. Pour Peach. Mais il revient bien, hein. Il lâche pas l'affaire. Une petite baffe. Peach. Oh, le Stitch. Le légume, le navet. Oh, oh le coup de golf. Et ce légume qui passe, mais non. Ah. Oh, oh, oh bien joué. Joué. Ah, ça passe. Bien joué, Ben. Bien joué, c'était serré. Bien joué. Ah ouais, hein, j'ai. Oui, c'était vraiment une très belle partie. Félicitations donc à Ven avec son S qui remporte la première quart de finale. Wouh ! Et bravo à Chris, c'était vraiment serré, c'était pas facile. Oui, 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 la pitch de Chris est juste excellente. Elle est très bien. Alors, pour la deuxième quart de finale, on a RGT contre Link Chaser. C'est parti. Oui. Bon chance. Pour le jeu, je suis venu parce qu'il y avait de la lumière. Oui, bien sûr. Bah, tu as revu la lumière. I saw the light. Enfin, alors, on m'a juste demandé si ça dérange pas Chris Pitch de... Quoi que non, en fait, niveau creux, ça va à peu près, mais... À 6, si on verra. 6, c'est quand même bon, on verra. Ouais, bon. Ça a l'air d'aller, pour l'instant. Personne ne lag. C'est un joueur de Zelda, mais pas à 100%, donc il lag pas de temps. J'enlève le dernier joueur que j'ai utilisé. T'as utilisé qui comme perso? J'ai joué Meta Knight. Ah. On avait dit un petit match hommage à un perso disparu. C'était pas glorieux, mais bon. Wow. Moi, c'est bon. Ouais. On est parti. On est prêt. Link contre Bowser, combat anthologique. Alors, vous avez lancé, alors que j'avais pas encore dit que j'étais prêt, donc je dirais un petit avantage à Link qui commence 1-0, donc cette série. Quoi ? Bah oui, c'est... Non. Ah, c'est parti. Ça commence. Oui. Un petit câlin. Le petit câlin déjà, dès le départ. Bowser qui veut réchauffer l'atmosphère avec un câlin et des flammes. Oh, Backer. On rappelle quand même que Link a l'habitude de combattre des créatures maléfiques, mais peut-être pas des tortues à pic. Ouais. Le câlin qui tue, voilà. Qui tue. Avec Manette qui fait n'importe quoi. N'abandonne pas, Link. Pouvoir de l'amitié. Smash qui passe, notre Abyss qui va piquer quelques pourcentages. Donne tilt, tout faire. Oh, le Smash qui n'est pas passé. Ouais. Le jab qui passe, voilà, c'est une frappe du pouvoir. Hop. Oh, c'est une idée qui n'est pas passée, du coup, fini par un up smash. Le up smash. Ouh, attention, voilà. Oh, le donner. Toujours dangereux, ça, avec Bowser. Oh. Oh, yo, yo. Oh, RGT qui a dit tu aurais dû avoir ma vie, alors je te l'offre. Quel fair play. Oui, fair play de RGT. C'est pour ça qu'on aime Smash, les enfants, on aime notre communauté. Ah bah oui, c'est la communauté la plus fair play après League of Legends. Donner de câlin de la moitié qui passe. Oh, petite redirection de la flamme. Ça brûle. Ah, un bis maintenant. Tentative de shield break comme ça. Donner qui passe, donner de qui passe pas. Fini par un up smash. Ce qui va revenir. Oh, il revient bien. Non, dommage. Oui, si, si. C'est le but. Oh non. RGT qui s'était fait tuer par le downer de Bowser, c'était plutôt plutôt joli. Oui. Je sais pas son downer. Il a plongé vers le sol. Je voulais retourner dans mon royaume. Je n'ai rien à faire sur ce vaisseau spatial. Il y a un deuxième combat ou pas, non ? Oui. Oui, si. Potentiellement un troisième. Ah, ok, bon bah. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Vu que je me suicide, tout est largement possible.
Allez, Link, faut que tu... il faut que tu commences à tricher toi aussi, Link, c'est comme ça. Tu... Mais on est toujours sur le même truc. J'avoue, j'aime pas ce sage en plus. Ah bah. Parce que Bowser est un peu avantagé pour son side deal avec ce stage. Il est invisible avec ce skin, mais chargé le coup. C'est vrai que c'est un bon stage pour Bowser. Je suspecte RGT d'avoir triché et d'avoir mis exprès ce stage. Non. Ça lui ressemble bien. Des Bowser de tricher. Tentative de pénis qui passe pas, dommage. Serré, serré. Notre abus qui passe pas. Dash attack qui passe pas, mais jab qui passe par contre. Bon, le jab. Pêche. Oh! Donne lui qui passe pas, tente de shield back. Ouh là là, le back air. Oh, le back air qui passe et qui tue. Les pieds de Bowser très musclés. Ça fait mal. Ah, j'ai 30% de neutral vie, ça fait plaisir. Regardez, j'ai fait une vraie shop. Oui. Oh, une autre vraie shop, ouais, là, grave. Il l'a écrasé. Un autre câlin, un autre type de câlin. Ah, ça c'est le câlin qu'on aime, qu'on connaît bien. Voilà, ça c'est le câlin de la moelleté qu'on aime. Il est bien écrasé, c'est un peu son ce truc là. Ouais, Link qui a beaucoup de mal à remonter contre les flammes de l'enfer. Les flammes, les flammes de Doon. Ces flammes sont horribles. Oui. Quand t'es dessus, au corps à corps, là, c'est 35% minimum à chaque fois. Ah ouais, là, il a fait 38% gratuitement, là. Flash, beau pari. Oh, Smash qui tue. Link qui ne se laisse pas battre sans un combat. Oh, oui, la reine de l'air dodge. Dans les mots. Oh, le up smash, interception, Up B qui passe aussi. Le up smash qui passe, enfin, deuxième compte qui passe. Boomerang. Boomerang. Jab, pression sur le shield, tout jab. Oh, le... voilà, d'un air qui tue, sans sommation. Sans sommation. Bravo, RGT. Bravo, Ali. Bien joué. On va pouvoir commencer les phases de demi-finale. Nous aurons donc Bulboel contre Venn. Oh, je me retrouve à nouveau contre Venn. Ça faisait longtemps. Mais attends, Noir, t'affrontes pas le premier, t'affrontes pas Bulboel du coup? Non, moi j'étais premier, donc j'affronte le deuxième. Ah, je crois que je vais pas faire le premier. Non, c'est logique, c'est le principe. C'est, t'es censé avoir un avantage quand tu finis premier. T'as l'avantage justement de ne pas affronter l'autre premier. Ah, d'accord. Après, je t'avoue que me retrouver sur RGT, c'est pas j'ai pas l'impression d'avoir forcément gagné plus que ça. Il en a fait exprès. Donc tu te retrouves contre la beauté à nouveau, Venn. La belle plante. Ah, j'ai hâte. La beauté. La belle plante contre l'enfant malade. Alors on notera que Ness a une tête encore plus grande que celle de la plante. La même tête. On a la même tête. Littéralement le même personnage. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Alors j'avoue ne pas trop savoir comment le match-up va fonctionner là pour le coup. Hein. C'est un peu... La plante on la voit pas souvent donc... C'est vrai donc c'est pas trop... C'est original. Oh. Ok. Non. Des petits échanges de jab comme ça, c'est très poli. Oh, c'est très bon, c'est un petit pas. Là, la dash attack, voilà le neutral B de la plante qui est un coup terrifiant, mais peut-être que Ness, avec la distance qu'il prend, il en a pas si peur que ça, il va pas s'approcher plus que ça de toute façon. Et la plante est lourde, mais est-ce qu'elle est assez lourde? Bah non, pas du tout. Non, non. Elle a été éjectée comme ça. Ah, c'est 30% bon tout terrain. Bowser ne serait pas mort. Oui. Oh, le truc de Ness est quand même bien puissant. Si Bowser serait mort. Mais Bowser ne serait pas mort quand même. Plante qui a du mal à s'approcher. Ce qui est drôle, c'est quand c'est contre Palutena par exemple. Ah oui. Bowser il peut avoir 300, Palutena il le jette pas quand même. Ah ouais, pourtant Palutena c'est un des plus forts aussi. Ah non, il est nul, c'est son. Le backstroke? Si, c'est l'un des plus forts du jeu, celui de Palutena. Ah bah ça renvoie pas des Bowser. Celui de... celui de Ness est de loin le plus fort, mais après il y a Palutena, Wolf.
Mario, Dr. Mario, tout ça. Ah, laisse-moi te taper, petite plante. Ah oui, non, c'est vrai que maintenant, Ness est plus le plus fort du jeu, maintenant c'est celui de Felinferno qui est le plus fort. Felinferno. Felinferno. Aïe, aïe. Celui de Dr. Mario est très fort aussi apparemment dans Ultimate. Genre, un match assez serré alors qu'il commençait plutôt pas mal à l'avantage de Ven là, ça. Bidwell est bien revenu. La plante elle est assez tricky, elle fait des choses on s'y attend pas. Tricky, tricky plante. Oh. Oui, la boule magique. Oh, Ness il a un backstroke moins fort que celui de Dr. Mario. Et Shulk avec moi, avec Smash. À l'edge. En tout cas, au milieu du terrain, je crois que Ness il a quand même le même. Imagine si j'avais un mode ado. Padotena, elle est 9ème quand même, 9ème meilleur backthrow du jeu. Ah là là, il y a de la pression des deux côtés, c'est un match qui se cherche quand même beaucoup les deux. C'est les personnages. C'est un peu comme Zelda NES quoi, beaucoup de projectiles. C'est vraiment serré, 1%, attention. Le moindre coup pourrait tuer. Oh, le F-Tilt qui passe pas, il aurait tué. Et la boule à pique qui tue. Ah, la boule à pique qui tue, bien joué. La boule magique. Oui. La boule. Ah, c'est. La boule à pique. La boule à pique. C'est la beauté. La beauté à la beauté. Qui a la des beauté épines. De la boule à pique. Ah oui. C'était tellement serré, je pense que ça m'étonnerait pas qu'on ait un troisième match, on va voir. C'est très dur. Et ils ont déjà un deuxième match, ce serait pas mal. Ça fatigue. Le petit Ness fatigue, pourtant il a les yeux gros ouverts. On voit que tu as injecté de caféine. Je pense qu'il est incapable de fermer ses yeux. Il a un manque de paupières effectivement qui l'empêche. On voit bien qu'il resserre les PNG qui lui servent. Oh aïe aïe. Le shit break. Dommage, ça fait un dommage. Oui, je dis dommage, mais. Dommage pour la plante piranha. C'était un pourcentage assez bas, donc le shit break a mené à juste quelques pourcentages. Vraiment le down B et le neutral B de la plante qui sont ses outils principaux. Un peu de side B aussi de temps en temps. Pendant ce temps-là, Ness utilise tout son arsenal comme on peut le voir là. tous les coups sont mis à utiliser vraiment. Un petit A. Le 12ème, 13ème. Faut que ça passe, 14ème. Oh yaya. 16ème. Et le 16ème. Jamais 312.
Trouvera-t-il un outil pour contrer ça, Bulboel? Oh, 5B. Encore le retour du FB. Aïe. Petit échange de projectiles. Donc feu, ça bat plante, comme tout le monde le sait, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. L'électricité, par contre, bon, il en faut quand même 16 pour tuer, donc c'est pas si efficace. C'est son pot en terre, là, ça. Oui, c'est très joli, on a vu la belle plante de... Oui, le type yo-yo, très fort contre le type plante. Bon, on voit quand même que Ven a vraiment téléchargé pour l'instant Bulboel sur ce début de... sur ce deuxième match. C'est plus très serré pour l'instant, mais tout est encore... Oh, joli tech. Petit, il lance la pression. Mais une pression phénoménale. Bah, Xco qui ne tuera pas. Alors, Piranha, il y a des personnages... Ah, oh, il ne revient pas. Backstroke qui tuera. Je t'ai détesté pour tes pick et Thunder. tu peux, désolé. Putain, j'ai rien compris, j'arrivais pas à le dodge. Alors que pourtant j'ai fait 4 fois différemment, mais non, ça voulait pas. J'aurais un conseil à donner, mais je te donnerai pas. Oui, j'ai aussi un conseil à donner, mais je c'est compliqué de caster quand... Parce que... Oui, non, normal. Mais, pourtant, j'ai, c'est, bah, si, après j'ai tapé dessus, mais j'ai pas eu le bon réplique. Bah c'est parti pour le troisième match décisif de cette première demi-finale. C'est parti, mon kiki. Est-ce que j'ai le droit de changer? Tu as le droit de changer. Ah, bien sûr. Attends, enfonce B. Enfonce B. C'est vraiment une tentative. Ouais. Fais donc, c'est ça. Oh non, vas-y, je vais garder quand même la plante. Allez. D'accord. Bulboel qui tente de faire perdre du temps pour Royaume champignon. Royaume champignon représente, c'est bien. Je pense qu'il espère que Ven s'endort. Oui, bah j'ai essayé, je me suis dit il était fatigué, ça va le faire, mais t'as qu'à l'usure. Bien tenté. Je me suis dit, je vais... Oh, non, ça ne passe pas cette fois. On a vu que c'était beaucoup passé contre Jajamik, je crois. Non, j'ai pas le bon timing là-dessus. Ça ne passe pas. Oh, un peu de tech, dommage, l'air dodge. Ouais. Après, on a vu au premier match aussi, Ven avait un petit avantage et Bulboel a réussi à revenir. Peut-être qu'il arrivera à revenir encore. C'est vrai. Mais on sent quand même que Ven a plutôt bien pris en main le match-up là. On sent une certaine aisance. Ah, le Picket Ender. Pas passé cette fois. Oh, la boule à pique qui touche. Pas de type de dot B. Encore une fois, Ven essaye d'utiliser Petit Ender pour tuer, mais ça ne passe pas. Bulboel n'est pas dupe. Petit nuage toxique, attention. Ah, le nerf qui n'est pas suivi malheureusement. Boule à pique pour couvrir un peu. Ah, la dash attack qui tue après le piqué fire. Oh. Donne des 4 attrapes mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre la boule à pique, voilà, c'est toujours le danger quand on attaque la plante et qu'elle la secoue en l'air. Ça peut nous retomber dessus à tout moment. Ness qui se fait Kekro. Entendre la musique qui ajoute beaucoup de tension au match sans vraiment l'épicness. Merci Animal Crossing. Mmh.
Ah, le pionnage qui passe pas. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Oui. Notre Albeki se prend quand même la boule, mais au moins. Il peut revenir sur le terrain. Ven qui essaie de garder ses distances avec ses projectiles. Encore une fois, la boule à pique qui permet de courir un peu. Ah, est-ce que le Bactrum va suffire? Et ça suffit. Félicitations. Bon, j'ai un peu mieux compris, mais c'était compliqué. Alors, sache que tu peux juste utiliser le nerf, donc juste. Ah, en fait, ça va quasiment toujours. Et ça l'arrête, ouais. Ça bat quasiment toujours le piquet. Non, mais c'est pas pratique pour moi le nerf derrière. Oui, mais c'est plus pratique que de. Oui, que de le prendre plusieurs fois de suite, effectivement. Mais bien joué. Bien joué à Ven, qui nous a quitté vocalement. Adieu, Ven. Va-t-il revenir? Ben on va l'attendre. Attendant, RGT, tu peux venir pour notre demi-finale. Ah, désolé, bug, GG, Bulboine. Oui, bah, GG à toi. t'as été bien meilleur. C'est quand même pas mal de PS. J'ai vraiment pas été top. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Puis j'ai pas compris non plus comment sortir du tronçon de bière. Bon match, il était énervé. Avec les boules à la fin, ça passe très bizarre. Ah, c'est parti. Ah, c'était parti ce soir. Une grosse finale. C'était la finale de la dernière fois. C'était la finale de la dernière fois, effectivement. On a les mêmes persos. Donc du coup, c'est une demi-finale avec cette fois-ci. Ouais. Donc nous n'aurons pas la même finale quoi qu'il arrive. Oui. Non, quoi qu'il arrive, effectivement, c'est une finale différente. Mais effectivement, on avait vu que Noir arrivait à peu près à gérer le Bowser avec Psyrai. On verra ce qu'il en est. Maintenant. Bruit, des cerfs qui passent. Un destruct. Up tilt. Up smash. Tiens, qui tue! Tu peux le dire, vraiment fort quoi. Ce truc. Hein. Psyra est très fort, évidente, mais ah ouais. Elle est très très fort. Je la trouve vraiment très polyvalente. Puis avec Misra qui peut prendre aussi le dessus pour faire un peu de dégâts et laisser Psyra terminer derrière. Des fois, c'est pas mal. Effectivement, mais là, Adam, face à la gauche, c'est pas possible de rester sur A. La dernière fois, c'est vrai que Noir l'avait joué surtout Pyra, parce que finalement c'était très bien passé. C'est ce qu'il faut contre Bowser pour aller faire de la puissance des dégâts et. Effectivement, il arrive à mener à mal le RGT pour l'instant. Ah, tentative de chope d'Arzé qui passe pas. Noir qui punish avec un chope. Tentative de neutral du OLED. Oh, spot dodge qui esquive le gain d'un mois de paix. Ah, Bowser qui tue avec un up tilt. Avantage pour Noir, c'est un Noir qui ne passe pas exactement. On a une tentative de build de Noir qui ne passe pas, c'est primé par un petit. Noir va essayer quand même, side build de Noir, Bowser va esquiver, neutral build qui fait des dégâts. Side build passe cette fois, de Noir. Oh. Ah dommage, Pineapple par le terrain. Joué. Dommage. Alors, du coup. Ah, les câlins. Ouais, toujours des câlins. Belle esquive du. Le side B qui repasse. Non, il rate la plateforme, mais il passe quand même. Ah, il y a un air dodge. Heureusement, ce sera pas fini. Neutral B. Side B, contré. Hop, dash attack qui passe. Side B, attention, Noir est en difficulté. Ouais. Ah, le câlin qui ne tue pas. Le câlin qui ne tue pas. Noir revient sur le terrain. Je vais le faire, up tilt qui passe, up ne passera pas, side B qui passe, chest tilt, un up B qui rate, et fer de Bowser qui passe et qui tue la Pyra, on se truque une vie chacun, c'est très serré. Oui, en sachant que en plus Bowser, c'est pas trop grave s'il a quelques pourcentages, mais bon là, 100% quand même. Ah bah, contre Pyra, et voilà, c'est-à-dire contre Pyra, la puissance de Pyra est... impressionnant. Tu à 100% du mid-stage quand même, Bowser, ça c'est pas... Oui, et qui était à 100% du coup, juste en train de le dire. Ouais, c'est bien ça. Joué. Bravo, bien joué. Beau premier match.
Mais effectivement, ça... et puis la portée, quoi, qui fait vraiment mal le Bowser qui a du mal à s'approcher. Comme ça, là. Oui, parce que c'est vrai que bon, Bowser, il a beau être très fort et quand même assez rapide, il a pas la... il a pas de portée. Il manque la distance. Ouais, c'est ça. Le noir arrive très bien à prendre partie de ça. Bowser, va-t-il trouver une feinte? Va-t-il trouver une faille plutôt? Ou une feinte? Une feinte d'ailleurs. Va-t-il trouver quelque chose? C'est parti pour le deuxième round. Ouais. Ça s'envoie des petits messages. Après, elle dit Bowser, mais c'est vraiment de... C'est très bien que les deux veulent la victoire. Ah, passe. Ouais. Ouais, les deux sont là pour gagner. Un petit qui passe, il y a un nerf qui passe ici. Ma chambre qui passera pas. Belle esprit de Sadie qui ne passera pas. Enfin, les deux se cherchent, les deux se cherchent. Donc ça se court après. Ouais, ça se court un peu après. Bon, noir réussit à choper Bowser. Et ensemble, justement, c'est aussi pour se placer et réfléchir un petit peu, parce que c'était quand même timide pendant les 2-3 premières secondes. C'est ça, hein. C'est ça, c'est vraiment trouver la stratégie. Mais voilà, noir arrive à gérer la portée. Bowser qui va toucher avec la fin de son downer. Ah, quand c'était une trap beam, et puis il finit directement par une chope. Dommage pour un. Et ta patate qui ne passe pas. Le side B, celui qui passe pas, par contre le side B de Bowser passe. Et fait des dégâts gratuits à la pire. Et le smash, voilà, le qui smash. Tue, qui a une bonne portée. Le smash de Pyra qui pardonne pas. Side B, c'est bien commencé. Oula! Bowser side B est vraiment. Pourtant, elle a plus d'armes, elle peut plus rien faire, mais. Mais ouais, il est très efficace. Ouais, et puis comme elle peut quand même bouger après l'avoir lancé là. Oui, elle peut quand même se déplacer. Là. La dash attack qui passe, deuxième dash attack qui passe. De la pointe des griffes de Bowser. Le backer qui était bien touché, oui, magnifique. Ouais, faire tout backer, c'était joli. Un petit de noir qui passe. Un peu side B qui passe pas, Bowser qui reste quand même à bonne distance. Bowser qui réfléchit à se méfie maintenant du side B de Pyra. C'est ça. Et il passe quand même pour passer. Je pense là, je dire, il se met le smash aussi, derrière. C'est vrai qu'il a une portée, mais. Il a une bonne portée, ça fait mal. Oh, oui. Le neutral B, oui. Neutral B qui, le neutral de mais qui n'a aucun lag en plus. C'est horrible. C'est très fort. Enfin, end lag. Ah, le câlin. Le câlin, le coup. Oh, pas mal. Il passe, dash attack. Dash attack. Neutral. Oh, side B. Il passe pas. Son Bowser, un petit neutral B, va prendre 3% de dégâts. Une chope qui a failli passer. Ah, cette fois-ci qui passe. Qui passe. Ah, il y a eu une bonne DI. Une bonne DI, ouais. De la part de Pyra, parce que là, il aurait dû voler beaucoup plus. Cette vie qui bien joué. Ah, c'est serré, c'est serré. Nerf qui passe. Faire. Nerf sur nerf. Qui passe pas. C'est fini par un UB out of shield. C'est notre UB. Sadie qui passe pas que. Ah, si, il passe à la fin quand même. Il passe à la fin. Attention. Ouais. Attention à la fin du 5-10. On se fera avoir par ça. Mais... Sadie de Bowser. Une belle tech de noir. Ouais, ça stat là, ça veut pas. Ouais. Neutral. Ah, et le voilà. Et le c'est noir qui Bravo. J'avais déjà commencé à la brûler depuis deux. Oui, je l'ai joué noir. J'ai pas compris non plus. Mais je prends. Super armure sur son smash. Bien merci, joué, c'est bien très joué. Beau et très serré. Mon cœur ne tient pas. Moi, c'était très très beau. Mais bravo noir, effectivement. Bah du coup, on va faire le match pour 3ème, 4ème place, donc Bulboel contre RGT. C'est parti, la belle contre la bête. Tout à fait, exactement. Merci Edic d'être de retour. Merci Edic d'être de retour. Je sais pas vu dans le chat, je vois juste que je vois pas ce putain nous a vu. Il a dit j'ai loupé beaucoup de choses, il y a eu des upsets, des rush kits into drama, Gluto est en loser bracket. Je lui ai dit Gluttony out, sorti par le Kirby de Damnes.
et j'ai dit Ven a fait rage quit à peu près 12 personnes avec son Ness. Tout à fait. On a un petit match du Royaume Champignon, donc Bowser qui essaie de remettre en place son employé, en fait, tout simplement. Oui. Après, c'est pas le genre de management que je préconise, moi, mais bon, si ça fonctionne pour Bowser, enfin, ça fonctionne après, pas vraiment. Après, il faut, mais... voilà, peut-être un petit peu de fermeté. Peut-être qu'il faut qu'il se questionne pourquoi ses plans ne fonctionnent jamais, mais bon, voilà. Voilà, c'est plutôt serré pour l'instant, les deux persos sont très lourds. Le side D est pas assez lourd non plus. Qui tue... Non. Beaucoup de piquants dans ce match entre la carapace et la boule. Et la boule. Bowser qui se fait kékro. Non, Bowser qui ne se fait pas kékro. Oh, par contre, il se fait. Je suis la pas boule gros. Non, kékro. Pas Bowser qui est gros. Un Bowser qui est gros, non, Bowser qui se fait kékro. Bowser qui est gros. Hop là, deux sabis qui passent. Oh, ah, notre ami, ça passe pas. Qui... Il a bien couvert, Bulbuel. Oh, il couvre bien ça aussi. Encore une fois, ouais, on a des doigts voilà, qui ça. A un peu sa spécialité, les boules à pique dans l'air qui touchent en général. Ouais. Il recule bien l'angle, il couvre bien. C'est... Oh, ouais. Bien, encore une fois, il a bien ride que RGT voulait le finir. Ah, mais... dommage. Bowser de... le shield de Bowser petit qui est assez petit. Hein. Va-t-on shield break un Bowser? C'est une bonne question. Ce serait l'ironie dramatique. Grave. Je pleure si c'est le cas. Aïe aïe aïe, ouais voilà, ça va être punish. Ah, deuxième appart qui va être punish sûrement. Non, c'est bon. La petite. Un peu greedy de charger le. C'est risqué de rester en dessous d'un Bowser. Enfin, c'est aussi risqué d'être au-dessus. Oh. Oh, c'était bien joué. Oh là 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 là. C'était très beau. La flamme. Bowser qui crame le poison. Ça les couilles. C'est risqué d'être partout à côté de Bowser en fait. Oh bah écoute. Si ne reste pas à portée d'un Bowser. Si tu gardes une bonne épée Mitra de distance, ça passe. Une bonne Mitra de distance, on est bon. Gardez bien une Mitra entre vous. Une Pyra, pardon, oui, pas une Mitra. Bowser qui a essayé de brûler les. Sûrement des. Des petits animaux d'Animal Crossing qui étaient en bas là, qui passaient. Il n'a pas aimé. Voilà. Bowser qui peut pas se faire kékro, hein. C'est vraiment pas son truc. Non, il peut pas se faire kékro, mais voilà, Bowser qui a forcément peur de l'allonge de la plante. Oh, le side B qui passe. Oh, la boule à pique qui ne risque pas à Chase. Ouais, ça se cherche, il ne passe pas. Ça se cherche, ça ne se touche pas beaucoup, mais ça se cherche. Ah, la plante. Oh non, le pineapple, j'attendais, non. Le pineapple du stage. Aïe aïe aïe. Et merde. C'est bien parti. Oui, c'était bien parti, mais c'est bien fini. RGT qui a des encouragements du public de Crowy. Oh, merci Crowy. Crowy qui dit go. Pour Crowy. RGT go. Go RGT go. C'est gentil Crowy, merci. Quand est-ce que tu me fais un gâteau, Crowy? Là, la vraie question, quand est-ce qu'il peut avoir son gâteau? C'est parti pour le deuxième match. RGT contre Bulboel, toujours plein de piranhas contre Nous sommes des joueurs qui aiment changer de... qui aiment la variété. C'est très bien aussi que tu puisses un peu avoir cette identité de personnage. Oui. Ah, Bulboel qui arrive à... un petit avantage, ça va Bowser va revenir quand même. Sadbi qui passe. Notre Sadbi qui ne passe pas. Hop, Sadbi, voilà, la plante reste accrochée. Encore une fois, c'est bien serré. Oh, le bagage qui passe. Oh, la boule épique. Oh, Sadbi qui n'est pas passé. Ouais. Ça n'a pas beaucoup de portée, voilà. Hein, en vrai. Hein, c'est... Non, ça a un lag assez important. Donc... Ce qui est justifié vu que ça peut tuer très tôt et que ça fait genre 25% de dégâts. Le up smash de la plante qui est vraiment très fort et qui se coupe bien sur les côtés. Encore une tentative de grab ou de side B, je sais pas. Ouf. Bowser qui se fait emporter par le B. Le poison qui attaque le shield comme il faut. Hein. Franchement, si c'était un pari, là, c'était pas un pari, je pense que ça aurait shield break. Ouais, c'est possible. C'est possible. On a raté le shield break de Bowser, de RGT. Hop, Kekro. Notre Albi qui se passe. Bouled. Bowser qui s'est accroché comme il peut.
Bowser qui tente vraiment de s'approcher, Bubouette qui profite de toute la portée qu'il a, de tous les coups qu'il peut faire de loin. Ah, Bowser continue de faire un up-B, pas mal. Ouais, pas mal. Le B toujours très bien pour sortir de pression avec Bowser, c'est très rapide. Ça peut être puni si tu te le prends pas, mais si tu le mets la plupart du temps, tu... Oh, la boule, la pique, et tu la plein, boule hein. qui passe. Ouais, la boule qui passe. Boule qui passe. Ah, mais Bowser, directement voilà. Un up-tilt. Bowser n'a pas le temps. Bon, on a toujours une stock d'avance sur Bulboel. On plante tout. Faut 8 dans l'RGT, quand est-ce que tu vas le voir pour avoir ton gâteau? Bonne question. D'accord. Voilà, un de ces quatre, on y croit. Mon tentative de Kekro qui rate, ça dit qu'il rate aussi. Ouais, oh, nerf. Donc, ah, ça s'est risqué contre Bowser avec Jab le passif, mais... N'en disons pas plus. N'en disons pas plus. Les joueurs nous entendent. Mal, pas c'est vrai. Ah, le mec est très fort aussi de la plante. Hein. C'est meilleur qu'il veut. Oh, up B directement. Ah, ouais. Ça pue. Oh, la boule, la patience, la patience qui a payé. La boule magique. Encore une fois, la boule qui passe. Cette bille qui tue. Bah, est-ce que la plante va réussir à prendre la dernière stock ou est-ce que RGT va nous faire une remontada de génie? Ouh, tout peut arriver. Ouh, c'était risqué. Ouf, il réussit à revenir. La boule, dash attack, qui passe, boule qui passe pas, punition par... Ça, vraiment, il est devenu hectique, le Bowser, là, il court partout, il frappe partout. Ouh là là, c'est serré. C'est beaucoup de pression, mais c'est risqué enfin aussi, c'est risqué la moindre erreur et c'est fini pour lui, là. Il a peut-être raison d'être un peu plus agressif. Oui, il faut ce pourcentage-là, il faut. Ah, mais il faut pas laisser la plante setup, quoi. Il faut pas laisser la plante setup ses boules, son poison et tout, là. Il faut l'agresser. Oh, c'est dommage, ça a pas fini, c'était fini. Non, ouais, ça aurait pu fini. Ouais, dommage. Ça dit. Le boule. Oh, la boule qui touche. La boule qui passe. Pas, mais c'est une reprise de contrôle du terrain. Parce que la plante n'a pas eu depuis un moment. Le down B dans le poison. Dans le fumé. Oui. Bien joué. Oui. Bravo, bravo. Oh là, je t'ai serré. Bien joué. Plante qui égalise, du coup. Je me laisse pas faire. Il a failli y avoir la remontada là. Oui, je l'ai senti. Ouais. On a dit oulala, oulala. Il fait non, c'est mort. Le sbire de Bowser qui ne se laisse pas faire. Non, ouais, le sbire de Bowser qui en impose là. Voilà. Qui croque. Le syndicat se rebelle. Prendre la place de reine du royaume champignon. Elle va tenter. Attente. Bon chance. Je pense qu'elle fera un meilleur job que Bowser. Bon, merci. Courage pour ce dernier match. Tu n'es pas Bowser, ne t'identifie pas à ton personnage. Trop tard. On est parti. La plante. Setup. Bowser. Très belle pensée. La plante. La science de. Sans dire un magique. Oh. Le mec revient. Bowser revient. Il a chauffé ce Bowser. Ah, la chope. Pour l'instant, la plante a un bon avantage, mais avec Bowser, ça va très très vite. Oh. Le F-Smash qui passe pas. Down Smash qui passe pas non plus, notre tentative de raid qui ne passe pas. Il faut s'identifier à son perso pour être meilleur, c'est vrai, il faut être son perso, il faut vivre son perso pour comprendre soi-même ses forces et ses faiblesses. Après s'identifier à Ness, c'est dangereux quand même. À partir de demain, j'étais... C'est dangereux. Ah, si on lance des éclairs après... Le diable, encore une fois. Non, va vite. Très bien, tant pis. La pique pour couvrir, attention, et voilà le neutral B. Voilà, le petit neutral B. Oh, le double B qui passe et qui tue, oui. Le B qui passe, bravo, c'était très joli. RGT qui sort les coups, mais la plante qui se laisse pas faire. C'est dangereux d'être en dessous de Bowser, mais c'est aussi très très dangereux d'être au dessus de la plante. Et Dix, maintenant je m'habille random tous les jours. Toi, tu as l'interrogation, et Dix. You are the question mark. Notre Abdi, je fais un peu la pression à la plante, ça dit qu'il passe. 85%, après voilà, comme dit, la plante est lourde, donc c'est pas tant que ça, mais... Oula, c'est ouf, c'est pas tac. Ce pot est vraiment très lourd. Ce pot est vraiment en titane. Le fer qui passe. Ah, le AB. La plante qui s'en va vers notre feu, et voilà, puni, bien sûr. Oh, ah, c'était bien ça le rôle, mais malheureusement, Oh,
Il a couvert toutes les options, quasiment. Up smash, pareil. Je vais faire. Nerf de la planche. C'est bien. Oh, le câlin! Le calacala, alors là c'est serré. Oh non, quel dommage! Bravo! Soirée de ouf! C'était ouais, joli. Désolé pour cette fin nulle. Mais c'est pas grave, ça arrive. C'est la pression, bien joué. La pression psychologique. Bien joué. Bowser. Bravo! C'est bravo, ça. Bravo! Donc on a 3ème Bowser et 4ème. Pardon, 3ème RGT et 4ème Bilboat. Troisième Bowser, là, tu m'as vraiment identifié à mon perso là. Voilà, c'est ça, non, je t'identifie vraiment à ton perso. Bien joué, bien c'est joué. C'est parti pour notre je finale. Je des victoires, c'est déjà bien. Je suis content. Je déclare forfait. J'ai peur. Go. Mais non. Allez, Ven. Il faut penser positif. Think positive. Non, son Wolf me met vraiment à mal. Psychologiquement, je suis foutu, mais donc, vas-tu utiliser NES ou Joker? Ah, NES. Diddy Kong, intéressant. Diddy Kong. Bon match. Petit bonus pour la banane chez Diddy Kong. On va sûrement en voir, je pense. Alors, là, c'est timide, ça c'est cherchant. Donc, là, premier envoi de banane. Les NES qui se laissent pas faire comme d'habitude. Le nerf. Le fer. La chope de Didi. Oh oui, c'est... là c'est y a du tatage, mais vous avez déjà joué tous les deux ensemble. Vous devriez déjà être prêts. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé avec Diddy Kong? La récupération de la banane qui ne passe pas, mais quand même la chope derrière. Ness avec un petit fire. Lunaire. Ah, là on a le retour de noir qui enchaîne. C'est ça se cherche. Oh, cette chope. Je sais pas quelle touche c'est exactement, je connais pas trop Diddy Kong. Ouais, l'annulation du Thunder avec le neutral du coup, que je vais retenir pour les prochaines fois. Et c'est la batte qui passe. Even quand même à 108%. Est-ce qu'il va réussir à gratter un petit peu? 124. Ah, le fer. Perfect Shield de la part de Noir qui le sort un petit peu. Ah, Fire qui passe pas. Oh, ça c'était bien placé par contre. Le B de la part de Noir. Oh, ah, il y a eu le dodge qui a fait que, je pense. Le back air pour Ness qui passe bien, mais. On est à 2 vies pour une. Avantage pour Ness. Le Thunder qui passe pas. La banane. La chope. Et il récupère sa banane. Il n'en lâche plus. Je savais qu'on allait avoir de banane. C'était obligé. Ah là, il y a de la cacahuète. Très très bien visé. Magnifique sniper. Ah, le neutral de Ven. Ça lâche pas l'affaire hein, de la part de Noir. Ouh, c'était un smash côté, je crois. Une dash attack. Ouais. Smash côté. Oh là. Alors, le Thunder de Ness. Avec Noir qui sort une banane. Oh! C'est Ven qui l'emporte, bien joué! C'était très serré quand même, hein. On a fait y avoir aussi une remontada hein, de la part de Noir. J'ai pas du tout été content. J'ai pas du tout été content quand j'ai vu que je tombais sur ce stage. ma banane qui va sur la plateforme à chaque fois, ça me soulève. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que du coup, pour la placer là, c'est un peu une galère.
I'm not gonna complain. Donc, match retour. C'est un best of five là. Ouais. Est-ce qu'il y a un changement de personnage ? Il y a un changement de personnage, oui, donc deux victoires. Ouais. Annonce-le-moi, Noir. C'est pas comme si j'allais changer. J'ai pas besoin de t'annoncer, j'ai perdu. Ah oui, merci, c'est vrai. Oui, c'est le vainqueur qui va l'annoncer. Attends, oh, bon, ouais. Surprise. Le retour Noir. Est-ce que okay. Ça va être la même chose ? Non. Je sais que Wolf contrôle très bien son noir. J'ai pas été là tout à l'heure pour voir vos matchs, mais j'imagine qu'il y a Wolf lui. Contrôle très bien son noir. Wolf. Il y a trop d'identification au personnage là. Mais c'est ça, la théorie. On va se contenter des noms des persos, voilà. Donc. Ah, le Fire qui est passé, mais timide, il a pas voulu avancer. Il a puni. Wolf qui enchaîne. Dash up. Oh, la dash attack qui est pas passée loin. Ouh, ce piqué fire juste après, c'est magnifique. Petit coup de yo-yo. Oh là là. Trop tôt. Ouais, ce laser était bien passé quand même. La shop. Allez, Ven revient sur le terrain. Ça chope. Oh, le neutral qui passe. Oh, ça c'est bien contré. Wolf qui lâche pas l'affaire comme d'habitude. Oh, ça s'est ressorti. Ah, le neutral qui éjecte. Toujours 3 vies du côté des deux participants. Ouh, donc c'est une vie de perdu pour Ness. Après, Wolf est déjà à 159%. Ouais, voilà. Donc, l'égalisation de la part de Ven. Oula. Oui. Ouf. Ah, là, un joli dodge pour revenir sur le terrain, vaut mieux. Tu voulais nous montrer une danse aérienne, j'imagine. C'est ça. C'est voilà, c'est un petit instant. Ah, la tentative de la récupération du Thunder. Le neutral de Wolf qui fait bien le travail aussi. Et la chope, et ça sort pas. Le Thunder, le yo-yo, mais non, Wolf revient sur le terrain, il enchaîne avec un fer, le Thunder qui gêne un peu, mais ça va, hein, c'est une petite boule qui vole, Wolf il s'en fout un petit peu. Oh, c'est la chute. Là c'est dur, alors on sent que Wolf il veut tout donner. Il y a déjà une victoire pour Ven. Le neutral des deux côtés qui passe. Ça se cherche, ça fait des... Vous bougez trop vite. Arrêtez de bouger de secondes. Voilà, je vais prendre une photo, c'est bon. Noir qui reprend un petit peu l'ascendant. Oui, ça se sentait. Donc une vie de chaque côté avec un avantage quand même pour Ven. Mais ouh, ça s'est bien visé. Le neutral qui est pris dans le perfect shield de Ness. Et qui va chercher. Ouh. Pourtant c'est risqué pour Ness, on le sait. Dans les airs. Oh. Et c'est Ven qui prend la victoire. Encore une troisième et c'est bon. Déjà, bravo, deux victoires pour toi Ven. Bravo. Déjà. C'est une 3-2-5 là. Oui. Ouais, là on est c'est une best of 5 là. Général.
Je serais pas surpris que Noir, quand même, il t'empêche jusqu'au bout. Ah, je suis même pas sûr de gagner. Il a dit, oh, vas-y, attends, je fais une sieste. Là, c'est bon, je me réveille. On va voir ça de suite. Mais là, non, c'était des très beaux matchs. C'était très serré, vous bougiez très très vite. Ça partait dans tous les sens. Et franchement, enfin, c'est pas facile de donner à qui aura la victoire. Même s'il y a deux victoires pour l'instant pour Ven. Déjà avantage. Oh, j'ai eu une erreur de communication, je n'ai plus le match. Ah, je vais pas pouvoir commenter, je t'avoue. Je me sens très bon. Bon, bah écoutez, tant que vous avez le tant que vous avez l'image. Bon, voilà. Ness et Walsh tap. Ness tap Walsh. Walsh tap Ness. Un éclair oui. Pas. Un rayon de touche. Des boucliers, ils tournent autour. Ah. Ce qu'on peut surtout voilà, dire, c'est qu'ils s'observent beaucoup. Ils sont tous les deux à 76%, égalité, c'est merveilleux. Léger avantage pour Noir, mais c'est très très serré. Bon ce match de Noir. Ils s'observent un peu, ils essayent plus de placer le jeu que de vraiment être offensif. Ce qui est une attitude de jeu beaucoup plus stratégique que ce que ferait n'importe quel Bowser. Oh là là. Mais ça attaque quand même un peu. Ça ose. Ah le piqué fire. Non, c'est piqué thunder ça, pardon. Oui. Bon, de toute façon, les piqués, on s'en fout. Voilà, la chope qui, à 140, ça laisse peu de place au mystère. Donc pour l'instant, tentative de ce match. Et peut-être qu'il faut dire qu'à 163, un Ness, il n'y a pas de raison qu'il soit encore sur le stage. Un Bowser, oui, pas un Ness. Un Ness qui creuse un peu l'écart. Ah voilà, le forward attack, je sais pas comment on dit. Ça passe. Ah, Ness qui commence à paniquer un peu, qui fait n'importe quoi, qui se rattrape, qui replace son jeu. On sent que Noir est maintenant dans chaque coup compte et qu'il joue la. On en est un partout au niveau des vies, mais c'est une grosse avance de 70%. Faut que Wolf se reprenne s'il veut pouvoir espérer gagner. Il rattrape gentiment. Mais Ness ne se laisse pas faire. Allez. Oui. Oh putain. Bien joué. Bravo Ven, j'ai tout suivi, c'était magnifique. C'était serré. Voilà, une grande finale donc pour la Majora's Cup. Victoire et donc Ven avec son S. Deuxième victoire. Yeah. Alors rappelez-moi, c'est qui avait gagné Bulwell contre RGT? C'est RGT qui a gagné. C'était RGT. Et donc, du coup, bien évidemment, donc Noir en deuxième
en troisième, ce serait c'est exact. Bah écoutez, voilà qui conclut le tournoi. Merci à tous ceux qui ont participé, premièrement. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, simplement. Yep. Comme d'habitude. Merci à vous tous. Oui. C'est toujours très agréable. C'était vraiment très sympa. On affichera les résultats du classement plus tard. Comme d'hab, merci à tous les streamers, pas tous les viewers, merci aux streamers d'avoir streamé. Je t'en prie. Merci, un discours, une chanson. Il veut un discours ou une chanson, au choix. J'ai gagné. Voilà, bon discours. C'était succinct. Simple et efficace, c'était... voilà. C'était très serré en vrai, enfin, le noir joue très bien son wolf et... J'ai juste, je pense, l'ascendant psychologique parce que Noir a tendance à décourager rapidement, hélas. Mais c'était quand même très serré, il joue très bien son rôle, c'était vraiment très très serré. Oui, c'est vrai que c'était très serré dans le jeu. Voilà pour mon discours, merci à tous les viewers, merci à tous.